nul lui. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be the man? Ouais, il me l'a mis. Il est au courant. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Your location has been. Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genius, not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors, tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir à la cafette. Opie a donné 1€. Merci mec, pour m'acheter rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse banane. Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à mon gars et que pourtant j'ai jamais été imposteur. Car une voiture à des pneus, évitons donc de se faire écraser. Il est... Vigile, il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylone. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylone et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote c'est Dark 6 PS4, il avait fait un kill au doigt avec une putain de WhatsApp avec caméra, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de... Jamais été imposteur, je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs, on a les contacts. Faut que tu fasses le tour! Non, faut que tu me laisses sortir! Oh, il a! Non, il a vraiment claqué! Non! Oh, tu m'as troll, 6-4. Allez, relax! On a les bananes! On a les animaniacs! Joue pas trop avec moi, mec. La grosse coccinelle, hein? On la gratouille? Oui, allez, ferme ta gueule. Ah, bon couteau. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, non. Quand je vais les prendre, je pense que je vais rentrer ou... Oh! Double citadelle! Joué. Il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve ça, sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui, petit cul. Oui, petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Thank you.
comment ça va tout le monde sur le campus de cette Salty Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que tout le monde va bien. Attendez deux secondes. Putain de Covid. Allez, rentrez. Un peu quand même. Bon, j'espère que tout le monde va bien sur le campus de la SA du coup. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Oh waouh, la fatigue. Y a match Youngtis aujourd'hui ou pas? Non. Voilà, c'est clair. Non, y a pas. Non, y a pas de match Youngtis aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 14 juillet. Mercredi, le prochain match Youngtis, ce sera vendredi. Enfin, la journée Youngtis, le play day. Ce sera vendredi 16. Ensuite, ce sera le mardi 20. Ensuite, ce sera le vendredi 23. Et malgré ce qui était marqué sur le thumbnail, le dernier jour sera le 27. Ouais, c'est ça. Mardi 27. On est resté sur une logique de mardi-vendredi. Le dernier, on voulait le faire le dimanche 25. Et j'ai un tournage. Donc voilà. Donc, c'est pas possible. Voilà. Perso, je préfère rester à l'extérieur vu comment tu tousses. Ouais, ne rentrez pas. Ouais, c'est mort. Je suis pas vacciné en plus. Ah, j'ai essayé sur Doctolib et tout. Moi, j'attendais le service pack 1, quoi. J'attendais l'update. Hein, mais visiblement, je pense que je vais l'avoir dans le cul. Et il va falloir passer par la case vaccination. Moi, j'étais bien content que tout le monde aille se faire vacciner. En disant, oh non, oh, j'y crois au vaccin. Je suis pas du tout anti-vaccin. Hein. Y a pas de problème. Hein. Mais par devant. Oui, par devant. C'était bien? Ok, ça marche. Hein, ouais. Ça va, tu te sens comment? Ok, d'accord. Ah, bon, voilà. Un tournage. Ouais, un tournage. Ouais. Normalement, le 24-25. Un truc nouveau sur la chaîne YouTube. J'ai un tournage. Ah oui, que voulez-vous que je vous dise? Ça s'appelle un tournage. Voilà. Ça me paraît être... J'utilise la bonne sémantique. Hein, voilà. En règle générale, on n'a jamais créé de contenu IRL, si je puis dire, pour la chaîne YouTube. Ah, il y avait les vlogs au début, quand j'étais parti faire mon tour du monde, là, mais ça n'avait rien à voir avec le contenu de la Salty Academy. Ensuite, il y avait quelques vlogs quand je bossais chez Gameloft, donc c'était des trucs la plupart du temps quand j'étais au Mexique ou en Afrique du Sud. Voilà quoi. Mais on n'a jamais réellement fait d'autres choses sur le campus de la SA, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc là, ce serait un truc assez nouveau, mais ça demande de la préparation. Voilà. Il y a que deux personnes dans le chat qui savent de quoi je parle de toute façon. Hein, salut Alias, comment ça va? Ce sera une OP World of Tanks MDR? Non, pas du tout. Non, c'est 0 OP. Non. Enfin, non, ce sera 0 OP. Non. Non, mais moi ils veulent pas être avec moi. À chaque fois, je casse du sucre sur toutes les marques. Hein, tu vois, donc c'est mort. Ils vont pas venir me voir forcément, quoi. Le nombre de marques avec lesquelles j'aimerais bien travailler, à mon avis, ça doit se compter sur les doigts de la main, quoi. Hein, voilà, je l'ai déjà dit, tu vois. On ne sait jamais. Hein. Ça se trouve, un jour, je vais changer d'avis. Je vais faire des petits raids Shadow Legends, enchaîner avec un petit casino derrière. Ça, j'aime bien. Voilà. Mais pour le moment, non merci. Hein, ça ira. Voilà. Ou Rhinoshield. Rhinoshield, j'ai été le premier... qu'ils étaient venus voir à l'époque où ils s'étaient mis un donf sur R6. Et j'ai fait, vas-y, ça me fait chier, quoi. Là, j'avais dit non, du coup. J'ai même pas demandé combien est-ce qu'ils demandaient, etc., quoi. Je sais pas, j'aimais pas... Je sais pas. J'avais vraiment envie de travailler avec une marque super connue, quoi. Tu vois, on a les seuls partenariats qu'on a pu faire par le passé, c'était avec qui? C'était Nvidia, deux fois. LDLC, une fois. AOC, pour l'écran, une fois. C'est tout, on n'a pas fait des masses. Ouais, une OP merci qui? Non, putain, pourquoi je lis ça? Moi, je suis vraiment trop con. Salut BG, c'est vous les BG, comment ça va? Imagine, il donnait 10 000 euros. Ah, mais. Et si à chaque fois c'était que l'argent qui était le moteur du contenu sur YouTube, je vous dirais, je ferais du casino tous les soirs. Non, mais qu'on se dise les choses en fait. Si c'était vraiment pour la thune que je faisais les choses, je ferais du casino tous les soirs. Je ferais du React tous les matins et je prendrais et la chaîne serait sponsorisée par tous les VPN et j'aurais fait des Red Shadow Legends, quoi. Red Shadow Legends, vous imaginez pas sérieusement les montants, c'est ridicule. C'est
c'est genre ridicule, quoi. C'est genre un live de 2 heures, c'est 3 000 euros. Et derrière, si tu fais des, si tu fais des téléchargements, à chaque fois, ça va être des paliers, ça va être des multiplicateurs, quoi. Ouais, ouais, c'est assez insane. Mais moi, c'est mort. Hein, voilà. Du hot tub. Bon, je ferai du hot tub aussi. Ça, à la limite, franchement, ça, moi, j'aimerais bien, tu vois. Et j'aime bien le côté, en le prenant à la dérision, bien évidemment. Hein, ça me plairait bien, honnêtement. Mais je suis pas sûr que ça marcherait. Je sais pas. Il manquerait un truc, je pense. Mais je suis pas sûr que ça marcherait des masses. Hein, c'est le projet IRL. Ouais. Ouais, c'est un projet IRL qui nécessitera donc une sortie du campus de la SA. On verra bien. Parce que c'est assez compliqué, forcément, avec le contexte sanitaire. Mais normalement, ça aura lieu le 24-25, quoi. D'ailleurs, faut que je réponde à un DM sur Discord. Voilà, faut que j'organise tout ça. Hein. Red Shadow Legend, 1 million de budget. Oh, je sais pas si c'est, je sais pas de combien est le budget, mais bon, vous imaginez pas. Et si on propose ça à la Salty Academy, imaginez ce qu'on peut proposer à d'autres streamers qui sont plus grands, quoi. Voilà, quoi. C'est assez insane. 6-4 sur Fortnite, ce serait marrant. Oh non. Franchement, l'une des raisons pour lesquelles je vais pas sur Fortnite, c'est parce que franchement, les viewers, ce serait dégueulasse, quoi. Ah mais vous voulez la vérité, moi je vous dis la vérité, et les viewers ce serait dégueulasse quoi, c'est bon. La plupart du temps, les jeunes qui sont sur Rainbow Six, en règle générale, c'est des gens qui savent réfléchir quoi, tu vois. Oh Fortnite c'est bon quoi, c'est le jeu mobile par excellence quoi, c'est vraiment le... Ah putain ça me donne des boutons, ça me donne des trucs dans le dos, voilà quoi. Ah, je pense savoir quel projet c'est du coup, Over a Gamer. Oui j'en avais déjà parlé. J'avais déjà teasé par rapport à un truc. Il y a deux trucs que j'aimerais faire IRL. Voilà quoi. Il y a deux trucs que j'aimerais faire IRL. Il y a deux trucs qui sont en train de plutôt se concrétiser. Voilà. Mais comme avec les annonces d'Emmanuel Macron, c'est pas évident. Voilà. Donc je sais pas si ça va se faire. Voilà. En règle générale, quand je vous dis oui, ça se fait, ça se fait. Voilà. Donc là, je mets toujours des attention parce qu'il peut y avoir des possibilités que ça se fasse pas quoi. Ton rêve, une OP avec le GIGN. Oui, ou n'importe quelle unité d'intervention, ça pourrait être drôle. Voilà. Il n'y a pas de jacuzzi assez grand pour y faire rentrer mon gros cul. Oh, pourquoi j'ai lu ça, moi? Et pourquoi tu écris ça dans le chat, Pohang, sérieux? Non, mais ça va pas la tête. Moi, je vois Pohang, donc je me dis, bon, normalement, ça doit être un message normal, logique. Ça reste quand même... voilà, ça reste Pohang, quoi. Voilà. Mais ça va pas de mettre des trucs comme ça? Je répondais à une question. Ouais, mais bon, il y a certaines façons pour y répondre, sérieusement. Ok, et moi je dis ça comme un con. Si tu te fais sponsor par l'armée, t'es chaud. Sponsor par l'armée, ok. S'il faut taper un peu, s'il y a moyen de gratter un blablacar dans un Alpha Jet de la patrouille de France, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça pourrait être drôle, ça. voilà, mais je sais pas s'ils font ce genre de truc là, honnêtement. C'est possible, hein, franchement. Aux States, ils le font quand même. Voilà, quoi. C'est logique. Hein, ils ont des campagnes de recrutement, des campagnes marketing, etc. Voilà, quoi. Aux States, ils avaient même fait leur propre jeu vidéo, ce genre de truc-là, quoi. Mais en France, bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, quoi. C'est assez bizarre. Tu le vois quand même, par exemple, pour le 14 juillet. Tu le vois assez bien pour le 14 juillet entre les personnes qui vont fêter le 14 juillet, enfin, qui vont souhaiter le 14 juillet et les personnes qui vont pas le faire, quoi. Il y a quand même une partie de la population qui, sans être contre l'armée, n'est pas forcément totalement en faveur d'eux, en fait. Voilà, quoi. Il n'y a pas un respect pour les militaires comme il pourrait y l'avoir dans certains autres pays. Hein. Je le dis vraiment d'un point de vue objectif et voilà. Au final, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Malgré mon background, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il y a toujours des questions que je peux me poser par rapport à ça quoi. Voilà. Ils ont fait une émission avec le QG pour le recrutement. Avec le QG pour le recrutement? Ah ouais, j'ai pas vu. Le QG, c'est quoi le QG? Après bon, c'est toujours pareil quoi. YouTube et Twitch, j'y vais jamais. Hein. Je crée du contenu dessus mais il y a trop de taf sur le campus de l'ASA pour consommer du contenu à proprement parler. Merci infiniment French Purple pour les 3 mois de frais de scolarité. Merci infiniment Atec, La Pastèque, nouvel étudiant, Notrix, nouvel étudiant, Wayban, 11 mois de frais de scolarité, Airkinox, 2 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de l'ASA. Merci les poulets et les poulettes, vous êtes des monstres. Merci beaucoup vraiment. Avec Guillaume Play.
Mais Guillaume Play, c'est le genre, c'est celui qui fait des vidéos du genre j'ai dormi sur l'autoroute, j'ai dormi dans une poubelle, j'ai dormi dans une mine, j'ai dormi dans un volcan. En fait, il dort tout le temps, non ? C'est pas lui ? Non, je sais pas, hein, franchement, ça se trouve, je confonds avec d'autres, quoi. À chaque fois, j'ai dormi au milieu d'une 4 voies. Ah ouais, bah, putain, ça, c'est intéressant, dis donc. Ah, non, non, pas du tout. Ok. Autant pour moi. Je crois pas MDR. Non, c'est pas lui. Ok, le QG, super émission sur YouTube où il interview des anciens soldats ou même des anciens agents secrets. Ah ouais ? Ça, c'est le genre de truc qui m'aurait fait kiffer. Non, franchement, le truc qui m'aurait fait déjà kiffer, enfin, qui vraiment kiffer, c'est le mec qui faisait Insider, quoi. Franchement, ça, c'est vraiment le truc qui me ferait trop kiffer, moi. On en a déjà parlé, hein. Tous les insiders comme ça, quoi. Il y a celui-là, et je sais pas si vous avez vu, on en a déjà parlé sur Netflix, il y a un mec qui fait Inside the World, Telfeth Prisons. Ça, j'aimerais trop, hein. Ça, j'aimerais trop. J'avais visité, j'étais resté 12 heures dans une prison en Bolivie. C'était quelque chose, quoi. Et même à l'époque, je me rappelais que j'aurais bien aimé avoir la GoPro, quoi. C'était interdit. Et pas de... Voilà, t'étais en tongs à l'intérieur, quoi. Et voilà, je sais pas. Le goût du danger, je crois. Je sais pas, ça va être ça, à mon avis. Je dois être un peu con là-dessus. Et il fait un tour de rafale, n'empêche. Qui c'est qui a fait un tour de rafale ? Guillaume Play ? Ah, ok. Je connais pas. Vraiment, je connais pas. Un blabla jet ? Blabla jet. Énorme. Je vois votre contact de la BRI cet après-midi. Je peux faire du chantage si besoin. Yes ! Ok. On verra. On verra. Comment allez-vous ? Éclataque cette émission Netflix. Aucune prison ne m'a impressionné. Je préfère celle dans les films MDR. Franchement, éclataque. Waouh. La prison du Venezuela, là. Waouh, c'est quand même... Non, je trouvais ça pas mal. L'approche est pas si dégueulasse que ça. Voilà, quoi. Bon, c'est toujours pareil. Le mec se présente comme un ancien détenu et tout, machin. À chaque fois, c'est la même présentation et tout. Je trouve ça assez énorme, quoi. Mais franchement, je trouverais ça trop bien. Je trouverais ça trop bien, quoi. Vraiment, quoi. Après, tu vois bien qu'il est bien encadré et tout. T'inquiète, quoi. Mais il y a deux, trois fois... Il y a 2-3 fois où tu te dis, putain, il a quand même flippé sa race, quoi. Hein. Je pense. Voilà, quoi. Mais là, c'est pas pour, dans une volonté, à mon avis, de faire du contenu dans le sens, tu sais que ça va marcher, quoi. C'est juste pour te faire kiffer, en fait. Découvrir des trucs, pousser les limites, voilà, quoi. Siska, Titi Backshot dans la vraie vie. Pourquoi tu dis ça ? Je viens de suer ma vie sur un jeu qui s'appelle R6. Ah, ah, ah. Ouais, bah, ouais. Bienvenue au club. Hein ? Bienvenue au club. Un petit Man vs Wild, pareil, tu vois, pareil. Man vs Wild, c'était le premier truc où je me disais, mais c'est la vie de rêve, quoi. Mais c'est la vie de rêve. Bon, après, c'est tellement scénarisé et tout. Mais le gros respect au caméraman. Moi, j'ai regardé 2-3 trucs derrière les caméras de Man vs Wild. Burr Grylls, mais gros respect au caméraman, quand même. Hein. De temps en temps, il le suit dans des trucs. C'est chaud, quoi. Mais ça, moi, ça m'aurait fait kiffer. Hein. Moi, ça m'aurait fait kiffer, hein. Mais j'ai un de mes potes, faudrait que je l'invite d'ailleurs sur le campus de l'ESA. Maxime qui fait Koh-Lanta et qui a fait Koh-Lanta. Et il fait des stages. On est à l'école ensemble. Maxime Berton, de son nom. Voilà. Et il est sur Instagram, je crois. Mais il fait des stages, etc. Machin. Voilà, faudrait que je me barre en Namibie ou des trucs comme ça avec lui, quoi. Ça pourrait être bien sympa. Voilà. Bah, même de manière générale, l'armée française est mal vue, voire dénigrée depuis la World War II. Par notre échec dans la campagne de 40, oh putain, d'une certaine manière, on a signé pour être ridiculisé par les US, etc. pendant plusieurs années, et ça nous suit encore aujourd'hui. Dans aucun livre d'histoire, on parle des points positifs de l'armée française. On est full négatif dans l'apprentissage de notre jeunesse. Oui. 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 Mais moi, je suis plein de contradictions. Hein. Je suis plein de contradictions. J'ai un gros background sur la partie militaire, etc., machin. Mais d'un autre côté, je me dis que... je me dis que même si c'est pas possible, quelque part, le meilleur des mondes serait un monde sans armée, quoi. Il y a un côté un peu idyllique, en fait, là-dessus. Alors, c'est pas possible à l'heure actuelle. Mais... à cause de la géopolitique, etc. Mais en fait, je pense que c'est parce que la plupart du temps, les Français assimilent le côté militaire au nationalisme, en fait, quoi. Et pour eux, qui dit nationalisme, leur fait peur, je pense. C'est plutôt ça, en fait. Voilà, quoi. Ça fait peur, quoi. Regarde, quand tu vois, par exemple, le drapeau français,
c'est toujours pareil. Même quand tu parles du drapeau français, même quand je dis drapeau français, tu vois, dans la tête de plein de gens, ça a une petite connotation. Oula ! Attention, ils parlent du drapeau français et de la patrie ou des mots comme ça. Ouh, putain, ça doit voter très très à droite, ça. Et tout de suite, hein, c'est une réaction qui existe depuis, depuis des années et des années, quoi. C'est... Je sais pas, honnêtement, je sais pas d'où est-ce que ça vient. Je sais pas si ça vient de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai pas la moindre idée, quoi. Au final, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. D'un côté, tu te dis, bah c'est pas bien, parce que du coup, c'est vrai que on a ce côté un peu français d'aimer les autres pays souvent plus que nous-mêmes, quoi, tu vois. C'est un peu l'impression que ça donne. Genre les bagnoles, les trucs comme ça. Ouais, toi, moi, jamais je roulais en Renault. Moi, c'est Volkswagen, all the way. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ce qui est sûrement le cas, hein. Mais il y a des temps en temps où je pense qu'on manque d'objectivité par rapport à ça. On aime bien se taper sur nous-mêmes, en fait. Voilà. Donc, je sais pas. D'un autre côté, je me dis aussi que ça pourrait éviter certains trucs qu'on a pu connaître, genre il y a une 60 ou 70 ans, quoi. S'il n'y a pas de montée des extrêmes, normalement, il y a moins de problèmes. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, quoi. Moi, je suis vraiment le cul entre deux chaises, quoi, par rapport à ça. Ça, c'est votre avis en tant que francophone. L'armée FR est l'une des plus appréciées et respectées sur les théâtres d'opération. Elle est l'une des plus appréciées et respectées sur les théâtres d'opération par les étrangers. L'armée française, c'est comme l'accent français quand on parle anglais, en fait. C'est-à-dire que tout le monde le trouve sexy, sauf les Français eux-mêmes. C'est ça, le truc. Voilà. On est les professionnels de l'autoflagellation, en fait. Voilà. On est très, très fort pour s'autoflageller. Je sais pas, j'arrive pas à savoir avec quelques années maintenant si c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, voilà quoi. De temps en temps, je me dis c'est vraiment triste. Et de temps en temps, je me dis peut-être que ça nous protège de certains trucs et certains débordements, quoi. Voilà. J'ai jamais compris la droite et la gauche. Alors, ça, c'est la droite. Et ça, c'est la gauche. Tu vois, ton volant, bah, il est à gauche dans la voiture. Parce que tu roules à droite. Voilà, mais je t'en prie, hein. Mais du coup, ça fera 5 euros quand même. Déjà, faut expliquer aux gens que l'histoire ne se résume pas à la World War 2. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ah, voilà. En même temps, voilà l'accent, quoi. Oui, je suis d'accord, Root. Oui, je suis d'accord. Je suis le premier. Je suis le premier à cacher énormément mon accent. Moi, quand j'ai commencé à apprendre anglais, le but du jeu, ce que j'adorais, c'était que les gens ne puissent pas spotter mon accent, quoi. J'adorais quand on me disait Ah, mais t'as pas l'accent français. Là, j'étais en mode Ouais. Et au final, je me dis, putain, c'est vraiment dommage quand même. Parce que tout le monde considère que c'est un accent de ouf, quoi. Et t'as plein de gens, parfois, tu pars dans des pays où ils te disent, mais pourquoi ? Pourquoi tout le monde vous dit que c'est un accent de ouf ? Et pourquoi tu veux le cacher, quoi ? Voilà, quoi. Je sais pas. Et je pense que je sais, en fait. C'est parce que c'est pour éviter que des personnes, genre tes collègues de classe, etc., se moquent de toi, quoi. Voilà. Je pense. Le drapeau français, on l'a laissé tomber au sol après la 45, à tort ou à raison. Et c'est le FN qui l'a ramassé dans les années 80. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Et je pense que les gens ont peur de ça, au final. Donc oui. Oui, c'est clair que si tu vois un drapeau français... si tu vois un drapeau français à l'américaine dans un jardin, en règle générale, tu vas dire hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Ok, ça marche. Alright. Les gens vont souvent estampiller la personne en tant que... Voilà. Votant très à droite. L'armée française reste beaucoup plus appréciée que la police en France. Je sais pas, ça. Je sais pas. Je pense pas que ce soit pareil. Je pense pas que ce soit les mêmes choses. Voilà. Le police, c'est le côté force de l'ordre, en fait. L'armée, c'est plus le côté patrie, etc. C'est pas tout à fait la même chose, en fait. Alors certes, la gendarmerie, c'est l'armée, machin, truc. Mais bon, les gendarmes, la police sont vus comme des forces de l'ordre, quoi. Donc par définition... Ils sont vus comme le bras droit d'un État auquel ils adhèrent plus déjà depuis quelques années, je pense. C'est ça qui se passe. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense. Mais bon, mes capacités politiques et mes connaissances politiques sont limitées, donc je m'étendrai pas forcément sur le sujet, quoi. J'ai envie de dire, d'un côté, si on s'autoflagelle, on mérite de ne pas avoir un ego démesuré. Ouais, c'est ça. Ça nous évite peut-être le pire, en fait. Voilà, quoi. Anyway. Mais j'avoue, aux États-Unis, ils ont un respect de ouf pour leurs militaires. Ouais, c'est marrant, hein. Si tu vois, par exemple, des courses, tu voyais des marathons, par exemple. Ouais, mais tu vois, par exemple, l'armée américaine et la façon dont ils respectent les militaires, je suis pas fan du tout, au final. Hein. Je suis pas un grand fan de ça, quoi. Je suis pas un grand fan de... Je suis pas un... Je
Je suis pas fan. Je suis pas fan. Mais oui, si tu vois des vétérans, etc., à côté d'un marathon, ça arrive de voir n'importe quel. Au Canada aussi, c'est pareil. Ils vont s'arrêter voir la personne en lui disant thanks for your service. Merci pour toi, pour ton service, quoi, en fait. Ce qui n'arrivera jamais en France. Hein. Ou alors, à moins que la personne soit un ancien militaire, quoi. Et là, du coup, ce sera en mode hey, mais t'étais dans quel régiment ? Voilà, quoi. Anyway. Bon, on est parti sur un truc extrêmement géopolitique. Hein, ça, c'était pas censé partir là-dessus, mais bon, c'est moi qui ai lancé le truc en même temps le 14 juillet, quoi. Voilà. Mais tu vois, il y a des personnes qui vont le fêter et tout, et puis parfois, je suis passé sur le live de Twitch de personnes que je vais pas citer, et on disait ouais, moi, le 14 juillet, ça m'emmerde, je m'endors devant, etc. Et j'arrive pas à savoir qui a raison ou qui a tort, quoi, au final. D'un côté, c'est vrai que c'est chiant, en final. Et d'un côté, je me dis, est-ce que c'est du manque de respect ? Est-ce qu'il faut essayer de rétablir un respect par rapport à ça, par rapport à ces traditions, par rapport à ces trucs qui font la force de notre pays, etc. Ou alors, est-ce qu'au final, c'est eux qui ont raison, quoi ? Et il faut se considérer un peu plus comme des citoyens du monde et de la planète. Et donc, tout ce qui viendrait nous dire... tout ce qui viendrait rappeler qu'on est cette petite unité, etc., ce petit pays, ce petit truc, il faut l'effacer. Franchement, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est super intéressant en même temps. Ouais, après, bon, moi, j'aime bien parler de ce que je sais. Pour le coup, là, je ne donne que mon avis et je ne sais pas. C'est Domingo qui a dit ça. Oh putain, merde, je vais avoir des... Ouais, je suis passé le voir tout à l'heure. Je suis passé voir son live tout à l'heure. Effectivement, c'est lui qui disait qu'il s'emmerdait devant le défilé, quoi. Il disait, non, mais c'est tranquille, le défilé, j'allume le défilé et je m'endors devant, quoi, tu vois. Et au moment où il dit ça, vraiment, je suis le cul entre deux chaises. Je suis 50-50. D'un côté, je me dis, putain, c'est un manque de respect profond. Et de l'autre côté, je me dis... d'un côté, je me dis, ouais, c'est un manque de respect profond. Il y a un truc où on a merdé quelque part, tu vois. Et en particulier sur la jeunesse. Et puis, d'un autre côté, je me dis, au final, c'est peut-être lui qui a raison, quoi. Vraiment. Et c'est vraiment 50-50, quoi. Ça penche pas plus d'un côté que de l'autre, quoi. Je suis indécis en entendant ça. Voilà. Je pense que sans cracher sur les traditions, on ne peut pas célébrer obligatoirement ce genre de fête. Comment ça, obligatoirement ? Mais personne n'est obligé de le faire, quoi. Le principe d'obligation, maintenant, il a disparu depuis longtemps, quoi. T'es pas obligé de mettre un drapeau devant chez toi, t'es pas obligé de faire le service militaire, voilà, quoi. Ce genre de truc-là n'existe plus du tout, quoi. Voilà. Tu vois, c'est pareil, le service militaire, tu vois, c'est la même chose. Il y a des fois où je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais en mode... Mais faut trop le rétablir et tout, putain de bande de petits cons, tu verrais, tu les envoies 6 mois, quand ton père ou les grands-parents disaient ça en disant tu les envoies 6 mois dans l'armée, tu vas voir comment ils vont revenir, ça va leur apprendre les valeurs et tout. Et moi qui suis passé par là, et je me dis ouais c'est vrai, ça apprend les valeurs, mais des belles valeurs vraiment, la fraternité, etc., la cohésion, l'esprit de groupe, l'esprit de corps, tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis au final, je sais pas. Tu vois, j'ai fait seulement 5 ans en compagnie de combat infanterie, mais je regrette pas. Je ne cache pas cette étape de ma vie, j'en suis fier. Non, mais il faut pas, du coup, tomber dans... Moi, j'adore hein, parler avec des miloufs et tout. Ça me fait toujours plaisir, quoi. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir, quoi. Vraiment. Souvent, quand je regarde des mecs, quand je vois des mecs du régiment ou des personnes que j'ai pu former sur des sentinelles ou des trucs comme ça, moi, ça me fait plaisir de les revoir, honnêtement. Voilà, quoi. Mais je sais pas, je suis 50-50. Rendre obligatoire cela serait pas contre-productif ? Bah je sais pas, il y a vraiment une logique où tu te dis parfois que ça amenait des belles choses en fait le service militaire, réellement quoi. Mais ça fait peur en fait, ça fait peur, je pense que c'est ça en fait. Voilà, ça coûte cher aussi mais ça fait peur. Mais ça amenait quand même de belles choses quoi. Il y a quand même pas mal de jeunes, je pense, à qui de temps en temps il peut manquer un cadre. Le cadre de l'éducation nationale, et puis bien évidemment le premier cadre qui devrait être celui des parents, tu vois. Et parfois, ça pourrait leur amener ce truc, quoi, en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'armée parce qu'il y a eu un moment peut-être... une absence des parents, par exemple. Ils avaient besoin d'un cadre, ils avaient besoin d'un truc, en se disant « je sais pas quoi faire de ma life, au moins là je sais pourquoi je signe, quoi. Let's go, quoi. » L'avantage maintenant avec l'armée, c'est que c'est une armée de contrat, donc bon, tu fais 5 ans et puis voilà quoi. Au bout de 5 ans, tu te dis ouais bon, c'est sympa, mais bon,
45 degrés au Mali, ça me casse les couilles. Et puis après, tu rentres, quoi. Mais t'as appris quand même de belles choses, quoi. Après, il y en a qui font toute leur vie dedans, hein. Voilà, quoi. Faut regarder l'émission Garde à vous. Putain, encore une émission que je connais pas, quoi. Mais je regarde zéro émission. Je regarde rien. Je regarde zéro, quoi. Je passe une heure par jour sur Twitch, grand maximum. Une heure et demie sur Twitter, ce qui est c'est beaucoup trop, vraiment. That's it, quoi. Je ne consomme pas de contenu. En Suisse, l'armée, c'est obligatoire, ça. En Suisse, l'armée, c'est obligatoire. Mais attends, l'armée suisse, c'est pas les mecs avec les halbardes qui gardent le Vatican? Si, c'est ça. Hein, je crois que c'est la garde suisse, ça s'appelle. T'as déjà vu Bands of Brothers? Mais qui n'a pas vu la meilleure série de tous les temps, honnêtement? Hein, si vous êtes là dans le chat et que vous avez jamais vu Bands of Brothers, barrez-vous. On l'a déjà dit plein de fois. Bien sûr, je l'ai vu 10 fois, cette série. Elle est exceptionnelle. Elle est vraiment très très bien. Perso, j'ai une vie correcte et assez aisée, mais j'ai pensé m'engager. Finalement, je pense aller en médecine. Après, tu peux faire la médecine dans l'armée. C'est très bien. Tu sors, t'as le grade de... Très rapidement. Je crois que tu sors, t'as le grade de capitaine. Tu pars en régiment. Je sais plus comment ça se passe. Ouais, et puis très vite, tu montes en grade. Forcément, je crois que c'est un peu comme les pilotes. Tu sors, t'es capitaine, quoi. Tu sors, t'es capitaine ou lieutenant direct, quoi. Mais je crois que c'est capitaine. Les pilotes, ça doit être lieutenant direct, il me semble. Et puis bah après, tu fais ça 5 ans, et puis après, tu te barres dans le civil, quoi. Voilà. La meilleure série, c'est Twilight. Et j'ai envie de vous ban quand j'entends ce genre de conneries, quoi. Ouais, respect l'armée suisse. Non, mais l'armée suisse, please, quoi. Elle fait quoi, l'armée suisse? C'est des vigiles de banque ou quoi? Ils nous ont laissé tomber, non? Vous avez pas été là quand il fallait, là. Venez pas la ramener, sérieusement, quoi. L'armée suisse, non, mais je te jure, quoi. Oh, putain. et l'armée... Ouais. Et la marine suisse, ça se passe bien ou quoi? Comment ça se passe? Hein, sur le lac Léman, le porte-avions, il se passe quoi? Ça se passe comment? Bah au moins, on est formé en cas d'attaque, MDR. Mais Nouro, en cas d'attaque de quoi? La Suisse, ça fait la taille de la Corse, mon gars. Une bombe, hop là, terminé. Il y a un cratère, quoi. Et vous faites que dalle. Vous faites zéro, quoi. Et mon gars, trois pétards, et c'est bon, quoi. Vous êtes tous barrés en Autriche. Arrêtez. Vous pouvez vous défendre contre que dalle. Sérieux. T'as vu Peaky Blinders? Ouais, bien sûr. Prison Break supérieur à toutes les autres séries. Non, mais Prison Break, please. Prison Break saison 1, 2, 3, et après c'est de la merde, quoi. Non. Arrêtez, les amis, arrêtez. On va pas reparler de série. Breaking Bad en first. Hein, et d'ailleurs, Better Call Saul, meilleur que Breaking Bad, pour plein de raisons. Enfin, pas en first, hein, pardon. Dans les first, Bands of Brothers, Breaking Bad, The Shield. Déjà, ça c'est les... Et après The Office, en blague, en truc drôle. The Big Bang Theory aussi. Ouais, mais The Big Bang Theory, c'est comme Friends, quoi. Tu vois, je vais pas la mettre dans les best series of all time, quoi. C'est des bonnes séries, quoi. Surtout que les personnages sont très attachants. Mais voilà, quoi. C'est la version un peu plus... J'allais dire un peu moins gnangnan, mais bon, voilà, quoi. Big Bang, il y a quand même des passages un peu relous, quoi. Mais c'est la version un peu plus pour geek, je pense, que Friends, quoi. Après, nous, on change pas de camp parce qu'on perd. What? D'où on a changé de camp, nous? De quoi tu parles? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous parles de Vichy ou quoi? Plus personne n'a entendu parler de cette ville. Il n'y a plus personne là-bas. Ils sont tous partis. Parlons de Formule 1 un peu. Non, mais j'aime pas la Formule 1. Voilà. Je suis passé voir le bouseux ce matin. Parce qu'il s'entraînait. Je lui disais, mais tu t'entraînes pour le karting de samedi? Il me fait, mais comment tu sais que je vais au karting? Ah, voilà. Bah, ouais, normal. On sait tout. Donc, mais la Formule 1. Non, j'ai regardé le jeu, la Formula 1 2021, là. C'est sexy, hein, c'est sympa, hein, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Franchement, si certains s'endorment devant le défilé, moi, je m'endors devant la Formule 1 le dimanche. Hein. Ah, c'est bon, au bout de 10 minutes, c'est bon, c'est terminé. C'est un ASMR, le truc, pour moi, quoi. Voilà, quoi. Je suis là. Il y a l'accident? Non? C'est de la merde. Et voilà. Ah, c'est pour ça que j'aime le rallye. J'aime quand c'est dangereux, quand il y a une certaine dangerosité. Ouais, mais c'est dangereux. C'est en Formule 1 de temps en temps, quand même. Oui, d'accord. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Je t'aimerais bien voir au karting, sérieux. Mais tu peux pas, au karting, je fais 80 kilos. Voilà, quoi. Au karting, le poids est trop important, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est comme si tu me disais, j'aimerais bien te voir sur un cheval ou être jockey, quoi. Bah non.
Il faut avoir une petite taille et être pas trop lourd, je pense. Voilà quoi. Wesh 6, comment ça, Wesh 6? Bonjour 6-4. Hein, voilà. Alors Len premier? Non, Len n'est pas premier là. Len n'est même pas dans le top 10, il me semble. Voilà. Bah, on a revu certaines stats quand même. On va en reparler. Hein. On a revu certaines stats. Il y avait certains trucs qui n'étaient pas encore tout à fait au point. On a dû faire des changements juste avant de lancer l'Unitis Royal hier. Voilà quoi. Donc il y a encore des petits changements. Tout n'est pas parfait. Mais voilà quoi. Tu aimes voir les gens souffrir? Non. Ce que j'aime, c'est les bagnoles, moi. Je veux pas que les gens soient mal. J'ai juste envie d'un gros crash où personne n'est malade, où personne n'est blessé, quoi. Pourquoi je voudrais voir les gens souffrir? Non, pas du tout, quoi. Mais c'est impressionnant, quand même, tu vois. Voilà, quoi. Faut arrêter cette espèce de truc, là, de dire... la plupart du temps, il y a quand même pas mal de gens, à mon avis, qui doivent regarder ça pour ça, quoi. En se disant, putain, la vache, c'est sexy, quoi. Les accidents. Sans qu'il y ait de blessé, bien évidemment. Moi, je veux jamais de la mort de personne ou le fait que personne soit blessé, quoi. Je trouve ça trop impressionnant, quoi. Quand il y a un putain de carton et que le mec, il sort des flammes en mode... Tout va bien? Ouais, oh, j'aime trop, moi. Désolé. Je trouve ça trop sympa. Oh. Anyway. C'est là que c'est impressionnant. C'est là qu'il y a du spectacle. C'est parfait. Ouais, franchement, Grosjean, je l'ai regardé en boucle, le truc. Je trouvais ça tellement impressionnant, quoi. Tu le fais quand, le tribunal? Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'il est passé. Bien vu. Je vais le faire, je pense, la semaine prochaine, je pense. Il faut que je le fasse la semaine prochaine, ce serait pas mal, quoi. D'ailleurs, je crois que tu t'es trompé. Tu as mis Arctix MVP alors que c'était Ravage. On va voir ça, attends. Il y a peut-être eu un problème sur le sum qui a été envoyé hier. On voulait l'envoyer très vite parce qu'on voulait pas emmerder les 5 personnes pendant 3... On voulait pas les stresser en leur disant peut-être que tu vas passer, peut-être que tu vas pas passer. Voilà quoi. Donc, attendez, je vais regarder les stats. Elles sont où? Gideon. Ça va être là. Yep. Alors attends. Ouais, il y a eu des changements. Il y a eu des changements, mais les noms sont les mêmes. Sur la note globale, on a baissé les trucs. Le pourcentage de HS n'était pas un pourcentage non plus. D'ailleurs, si c'est un pourcentage, on va pas lui mettre des virgules. Voilà, ce sera encore plus propre, c'est impeccable. Putain de Covid. Non, c'est toujours Majestic en first. Ça a pas changé. Et Len est 11e. 11e, 12e, 11e. Yeah. Et non, Ravage n'est pas dedans. Où est-ce qu'il est? Ravage est 16e. Pourquoi est-ce qu'il est 16e? Il a un bon KDA. Il a un faible SRV. Il est beaucoup mort. Il a un énorme pourcentage de headshot. Les entries et le score total. Mais le score total, on s'en fout. On va voir ça. Donc, il y a qui de prix? Ah, je vais vous montrer ça. De toute façon, les 5 personnes sont déjà au courant. Donc, c'est aussi simple que ça. Les 5 personnes qui n'ont pas... Si les personnes n'ont pas été contactées, c'est qu'elles passent vendredi prochain. Les 5 personnes, on va les voir en one-to-one pour voilà quoi. Merci pour le sub-goal. Attends, je fais ça tout de suite. Alright. Je suis toujours le deuxième? Non, alors là, non. Ah, ça, non. T'étais deuxième, toi? Ah, désolé, ouais. Oh, tu vas voir. Non, t'as droppé. Hein. T'as bien droppé. Hein, voilà. Mais c'est parce que on a mis un coefficient par rapport à la nationalité. Et vu que t'es suisse, ouais, c'est moche. Bah ouais, mais bon, que veux-tu que je te dise? Faut pas forcer non plus. Hein. Y a un moment, faut habiter dans les vrais pays, quoi. Ça, c'est normal. Ouais, y a un coefficient multiplicateur ou de division, quoi. Voilà. Déjà, si t'es breton, t'as x2 sur tes stats. Je trouve que ça, c'est pas déconnant. C'est plutôt pas déconnant. Ensuite, t'as un coefficient de moins 0,7 si t'es suisse, divisé par 2. La note est divisée par 2 si t'es belge, bien évidemment. Et si t'es québécois, de toute façon, t'as pas le droit de participer. Donc voilà. Non, je trouve ça bien. Ça nous permettra vraiment de,
d'être sûr et certain qu'on a des bonnes pépites. Hein, voilà. Tu trouves pas que certains joueurs sont déjà trop évolués pour pouvoir participer ? Évoluer comment ça ? Au niveau de quoi, Doc ? Dis-moi ce que tu... C'est quoi le fond de ta pensée ? Pendant que je suis en train de changer, c'est Subgural. Enfin, juste celui-là. Tribunal. Bam ! Right. That's great, motherfuckers. Ok. Pas de discrimination. Non, jamais. Ah, c'est interdit aux Canadiens. Non, mais en vrai, on peut pas. Non, vraiment. Non, avec le ping et tout, c'est mort. Déjà, vu comment il y en a qui sont en train de ouin-ouin tout le long, là. Ouais, non, mais lui, non, mais elle. Non. J'ai fait non, c'est mort. On pourra pas parce qu'avec le ping et tout, ça va être... c'est dégueulasse. Et puis même, après, imaginons, on veut les faire se rencontrer, les joueurs, ou je sais pas. Enfin, voilà. Hein, le mieux, c'est de... Le mieux, c'est de... D'y aller pour éviter les frustrations, c'est de faire en sorte que ce soit le plus simple pour nous possible, au final. Hein, voilà, on l'a déjà vu. Le ping abuse. Yes, bah ouais, quand t'as 80 de ping et tout, je sais que même si ça change pas grand-chose, les gens vont commencer à se plaindre, c'est sûr. Donc voilà, on évite la mauvaise pub. Parce que voilà. La saison 3 de Band of Brothers sort dans 3-4 ans sur le thème des escadres de Boeing B-17. What? Attends, et The Pacific, c'était The Pacific ou c'était Bands of Brothers The Pacific? Ça sort quand? Dans 3-4 ans? J'ai jamais entendu parler de ça, Hagin. Jamais entendu parler de ça. Non, en revanche, cet été, il devait sortir le remake de... Enfin, le remaster de... La chute du Faucon Noir, Black Hawk Down. Oh là là, la traduction de ce film. C'est vraiment la pire traduction au monde, quoi. D'un côté, c'est joli, mais bon, voilà, quoi. La chute du Faucon Noir. Oui, oui. Hein. Je me doute bien que le ping est un souci. C'était ironique. Imagine 120 ping versus 10 de ping. Aïe. Bah, en soi, de toute façon, normalement, le jeu est fait pour que... Voilà, quoi. Mais bon, les gens vont commencer à die derrière les murs. Ping abuse, ping advantage, blablabla. Ça va whiner. Donc, Ah, c'est Bands of Brothers The Pacific. Ah, je croyais que c'était juste The Pacific. Ah, donc, ok. Donc, c'est pas con. Parce que du coup, ils peuvent garder leur branding Bands of Brothers. Et ils vont faire un truc Bands of Brothers Warfight, un truc comme ça, et voilà. Et des meilleurs films de guerre, ouais. Avec certains joueurs, sans même faire du coaching, ils peuvent prendre une CL. Avec certains joueurs, sans même faire du coaching, ils peuvent prendre une CL. Non, permets-moi de douter de ça, je ne pense pas, non. Non. Non, je pense pas. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un truc de mémoire quand j'avais regardé la dernière fois qui est assez important. C'est que indépendamment du skill de la personne et de la mentalité de la personne, c'est un jeu qui joue à 5. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Hein. Si tu mets Cristiano Ronaldo à Évian-les-Bains, il y a peu de chances qu'il a chopé une Champions League. Hein. Bah, c'est un peu pareil. Six, ton tour du monde, t'as pris combien de temps? Un an. Wow. Un an, 11 mois exactement. Ya. Qualification CL, pardon. Non mais quand bien même. Il faut que ça marche entre les joueurs. Il faut que ça marche entre les joueurs. Donc on peut noter une équipe dans sa globalité. On peut essayer de trouver à l'intérieur de l'équipe les choses qui font que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne. On ne peut pas, en revanche, on ne peut pas dire, voilà, cette personne-là, elle est tellement forte qu'à elle toute seule, elle pourrait quasiment y aller, quoi. Bah, ça se trouve, tu sais pas, quoi. Hein. T'es pas dans les calls et tout, ça se trouve, le mec est un infâme connard ou il a zéro mental. Ça arrive. Des personnes qui se métamorphosent dès qu'il y a un peu de pression et tout, on l'a déjà vu, hein. Wow, t'étais tout seul ou bien accompagné? Moi, mon tour du monde, moi, mon sac à dos et ma barbe d'un an, quoi. Non, je suis parti tout seul. Mais je pose des questions, mais il y a des vidéos, non? Oui, il y a des vidéos. Il y en a une qui s'appelle 6088 mètres, c'était le truc que j'avais monté, là. Tu peux la regarder. C'est 3 minutes sur l'Amérique du Sud. Alright. Yes. KGB. Ok. Bon, on va passer sur les stats, du coup. On va regarder ça. Surtout que ce soir... Feu d'artifice, tout ça sur le campus de la Salty Academy. Non, je déconne. Mais peut-être qu'il va falloir que je termine un petit peu plus tôt et que je ferme les portes du campus un peu plus tôt. Hein, voilà. À 5, c'est plus le même jeu. Bah non, ça n'a plus rien à voir, bien évidemment.
Enfin, voilà quoi. De temps en temps, il y a des équipes, elles marchent bien, alors que individuellement, tu te dis putain, c'est pas monstrueux quoi. Voilà quoi. Il y a même des joueurs que tu vois évoluer en European League à l'heure actuelle et ils vont pas t'impressionner en ranked plus que ça au final. Hein. Ils vont pas être monstrueux individuellement quoi. Mais dans leur rôle, à leur place, ils sont très très bons. Voilà quoi. Six, t'as pas eu des problèmes de visa, etc. pour entrer dans certains pays? Non. Non, quand t'as un passeport français, t'as le troisième meilleur passeport au monde pour voyager. Donc ça va, quoi. C'est compliqué si t'as un passeport... je sais pas. Les plus compliqués, je crois, israéliens, c'est pas ouf. Voilà, il me semble. Y a quoi d'autre? Il y a pas mal de passeports comme ça qui ont no power quoi. Les États-Unis doivent être dans les premiers, Danemark, Allemagne aussi, voilà quoi. Mexicain, je crois, c'est pas génial pour voyager, voilà. Il y en a où ouais, t'es obligé de payer tout le temps quoi. Bon, Américain, il paye tout le temps. Hein. Canada, il paye tout le temps quoi. Voilà quoi. Je sais pas, si tu veux partir en Thaïlande demain, tu peux partir avec ton slip. Hein. Je l'avais déjà dit, par exemple. Tu vois. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est plus facile de partir demain en Thaïlande que d'organiser une semaine de camping dans les Landes. Ouais, c'est vrai, genre vraiment. Tu pars, t'arrives là-bas, ils te mettent un tampon, c'est terminé quoi. T'as rien besoin de faire, rien besoin de faire. Voilà quoi. Belge, c'est bien. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Hein. Je suis pas un expert là-dessus quoi. Mais il y a des passeports qui sont très très voilà quoi. Il peut y avoir des partenariats, enfin des accords entre les pays pour dire bon bah si vous des ressortissants de chez vous viennent chez nous. Bon bah ils ont un passeport, à l'arrivée ils ont un passeport touristique, bam bam bam, on leur met un tampon et puis c'est parti. Voilà quoi, bah, c'est le cas de la Thaïlande par exemple, c'est le cas du Cambodge, c'est le cas du Vietnam, c'est le cas du Laos, c'est très simple quoi. Après ouais, les Américains, les Canadiens ils payent tout le temps quoi. Le Vietnam tu payes c'est genre 100 euros, un truc comme ça, il faut attendre une semaine, voilà. Mais il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours moyen de filer un petit billet à droite à gauche. Et puis ça passe plus vite, hop là, voilà quoi. Non, j'ai jamais été emmerdé à des frontières ou des trucs comme ça. Voilà, si, j'ai été emmerdé une fois après 36 heures de bus à cause d'une machette que j'avais ramenée. Mais j'en ai déjà parlé. Ça. J'avais ramené une machette à la frontière argentine, donc c'était en revenant d'Ushuaia, donc le bout du monde. Voilà quoi. Et les mecs là-bas, ils te disent pas l'heure du temps de bus quoi. Ils te disent ouais, on ira dans la ville là-bas. Ouais, mais si tu crèves, voilà quoi. Si tu crèves le pneu. Bah ça va pas être 12 heures quoi, ça va être 3 jours quoi. Là c'était 36 heures de bus, un bus de ville hein. Donc pas un truc où tu t'allonges, voilà. Et j'avais amené qu'un sandwich et il a été mangé par le chien de la douane qui passait, enfin le chien de la drogue quoi, voilà quoi. Donc il a mangé mon sandwich, fils de pute, il m'en a laissé qu'un quart. Bah j'avais faim. donc j'ai quand même mangé en fait. Voilà, t'es là, tu te dis putain la vache. Attends mais mon sandwich a diminué. C'est le seul que j'ai pendant tout mon trajet. Ah voilà, et en fait il l'a fait pendant que moi j'étais en train de me faire chier en disant putain mais c'est un cadeau pour mon père et tout, en expliquant en espagnol. Il me fait non, pas ça. Je lui dis putain avec une machette, c'était un sabre laser le truc, voilà quoi. C'était un coupe-coupe, on la voit dans une des vidéos d'ailleurs. Une bonne grosse machette que j'avais achetée dans la jungle et tout, j'étais trop content, je voulais trop la ramener. C'est allé passer partout quoi. Pérou, Bolivie, Chili, j'arrive en Argentine, ils me font nope. Top. Je fais putain, je suis rentré dans votre pays avec. Pourquoi je peux pas ressortir du pays quoi? Mais c'est pas possible. Anyway. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si on passait maintenant au Youngtis Royal et si on passait aux notes, tout simplement, hein, de ce Youngtis Royal. Ma tante est camerounaise et pour ramener son fils, le passeport a coûté une fortune. Ouais, bah, ça coûte très cher. Ouais. Les pays d'Afrique, c'est compliqué. L'Afrique du Sud, ça va, il y a des ententes. Bien évidemment, les pays nord-africains, ça va. Tous les pays du Maghreb et tout, ça va. Il y a des accords avec la France et tout. Mais alors, tous les pays francophones aussi, genre Sénégal, République Dominicaine du Congo. Enfin, le Congo, République RDC, démocratique du Congo. Putain, merde. Bref, t'as des pays comme ça où ça va, c'est pas trop la merde. Mais là, c'est la merde. Hein. Et là, c'est la merde absolue. Hein. C'est mort. Pour entrer pour mettre les pieds, je sais pas moi, en Europe avec un passeport érythréen, bah vas-y, accroche-toi. C'est très compliqué. Voire quasiment impossible en fait. Ok. Bon, merci French Purple en tout cas pour les 3 mois de frais de scolarité. Vous êtes des putains de monstres. Merci de faire en sorte que la campus de la Salty Academy
Hi to the top, ou vive, hein, tout simplement. Hein, voilà. Au moins, t'as fait un heureux. Ouais, j'étais dégoûté. Il avait l'air trop bon, mon sandwich, là. J'étais trop content. Le chien d'abof, le chien à drogue, il bouffe ce qu'il y a dans le sac. Non, je l'avais laissé sur le siège, quoi, avec le papier, le film autour, quoi. Voilà, quoi. Et puis, bah, quand t'es perdu dans la pampa, il y a rien là-bas, c'est un désert, hein. Voilà, quoi. Comment ça s'appelait Merde, j'ai perdu le nom. Merde. Comment ça s'appelle en Argentine. Merde, putain, comment ça s'appelle ces grandes étendues, là. Ah, c'était il y a 6 ans en même temps. J'allais dire Florent Pagny pour m'en rappeler, quoi. Il n'était pas parti là-bas, lui. Les plus vieux, aidez-moi, là. Papaya de la Vega. Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur. La Patagonie, merci. Patagonie. Oui, merci. Ouais, c'est ça. Bah, il n'y a rien. Franchement, le seul truc que tu croises, c'est des autruches. Ouais, des autruches et. Il y a des espèces de trucs qui ressemblent à des lapins écureuils. Moitié lapin, moitié écureuil, quoi. Et puis, le dernier truc, c'est bien sûr les lamas, quoi. Enfin, c'est des alpagas, mais c'est quasiment la même chose. Ok, anyway, on s'en fout. Let's go, alright. On va passer par là et on va aller se mettre là et on va regarder les notes qui normalement sont bonnes. Alors les 5 personnes qui ne continuent pas du coup ont déjà été prévenues. Les notes apparaissent pas. On l'avait déjà fait sur les derniers Youngtis Royaux. À savoir de pas mettre les notes. J'aime pas. Déjà moi j'avais des problèmes avec Sid Gigi sur leur color là. Au début quand ils mettent du rouge, du vert. Rouge c'est de la merde. Vert c'est bien. Eh mec. Encore maintenant, bon, tout le monde doit faire des kills encore plus qu'avant, tu vois, vu comment le jeu évolue. Mais à une époque, vraiment, de temps en temps, tu passais ton temps à droner et à ouvrir un mur. Hein, et t'avais fait tout ton taf, quoi. Et tu fais, bah attends, j'ai droné, c'est compté? Non. J'ai ouvert un mur, c'est compté? Non. J'ai posé le diffuse? Non. Ma communication? Non. Bon, bah en fait, tu notes rien de mon gameplay, quoi, en fait. C'était un peu ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un peu relou. Maintenant, c'est moins le cas, tout le monde doit... Déjà, tu passes par le site défense, quand même, hein, faut faire des kills. Mais maintenant, tout le monde doit faire des kills, quoi. Bon, c'était le cas à l'époque aussi, mais moins au final. Tu pouvais être très impactant sur un round en faisant rien du tout, quoi. Alright. Et à l'époque, ils mettaient les trucs en rouge et vert. Je leur avais dit, mais changez juste le code color, en fait, tu vois. Tu peux très bien mettre un truc bleu, voilà, quoi. Mais non, ils étaient gardés sur rouge et vert, tu vois. Le bon truc, vert, c'est bien. Rouge, c'est de la merde. Eh ben voilà. Eh ben super. Ok, anyway, donc on va passer là et on va regarder ça. Du coup, on va aller voir quels sont les joueurs et joueuses qui passent et quels sont les stats et on va les étudier ensemble. Je vais juste changer du coup ceci, à savoir le title, alright, le titre. Ah putain, je vais mourir. Je sens que je suis en train de décéder. De toute façon, ça sert à rien de prendre un rendez-vous pour le vaccin. Je vais crever avant. Ah, je vais claquer. Hein, voilà. Merci infiniment en tout cas à Root. Merci pour le fait d'avoir offert à Pierrot. Oh oh, c'est 13 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solitude Academy. Un monstre. Merci les poulets. Merci, ça me touche énormément. Ok. Du coup, let's go. All right, motherfuckers. Du coup, ok. On va se mettre là. On va mettre ça. On va aller là. Tac. Et on va amener les notes. Pipoup. Est-ce qu'on peut passer sur une caméra 2, s'il vous plaît? La 3? Ouais, la 3 aussi. Ils voient rien, en fait. Ils vont me dire, on voit rien. Ils sont trop loin, regarde. Ouais, voilà, c'est mieux. Du coup, ok. Voilà les stats. Voici les stats. Bon, il y a peut-être encore quelques petites erreurs, mais je ne crois pas. Hein, voilà, je ne crois pas. Je pense que ça a été bien fait. Je peux faire un zoom. Ok, voilà, on devrait être pas trop mal. Donc, en 1, on a Majestic avec ses 246 points. Ok. Défenseur OP, donc c'est, vous le voyez, de toute façon, j'ai pas trop besoin de vous expliquer ce que c'est. Hein. Voilà. En sachant que à partir de la semaine prochaine, en fait, ce qui se passe, c'est que on regardera les notes, comme d'habitude, du play day.
et on regardera le cumul des notes depuis le début de la compétition. Ok ? Néanmoins, dans notre petite moulinette, dans notre algo, là, eh bien, on intègre forcément un critère de pondération en fonction du play day. Pourquoi ? Parce que, pendant que je m'enlève ce cil que j'ai dans l'œil, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, forcément, faire des kills, normalement, dans la logique des choses, faire des kills sur le premier play day, un kill sur un play day ou un objectif joué sur un play day ou, voilà, n'est pas aussi puissant que le dernier jour. Pourquoi ? Parce que, normalement, on va éliminer, entre guillemets, les moins bons joueurs. À la fin, il restera normalement, logiquement, que là, crème de la crème. Donc, chaque kill ne sera pas le même, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est les stats d'hier qui sont importantes. Néanmoins, elles sont toujours à prendre avec des pincettes les premiers jours. Il faudra voir, lisser, comment est-ce que ça continue sur les prochains jours. Et en particulier, sûrement à partir de la fin de mardi prochain, donc du troisième play day, où là, on peut voir si ça se concrétise ou si pas du tout. Ou si ça se concrétise, pas des masses. Laine 11e, c'est propre. Ouais. Ouais, c'est propre, ouais. Non, clairement. Alors donc, à voir. En plus, on verra aussi, parce que ce critère de pondération, il est important pour avoir une petite idée du mental. Hein, parce que si on commence à voir qu'une personne en face n'est pas dans son élément, souvent, tu vas aller appuyer là où tu sais que la personne, tu vas te taper un free kill, quoi, etc., etc. Ce qui est assez, au final, assez logique. Donc, il y aura toujours, les prochaines fois, on parlera du play day et des stats du play day et on parlera du cumul pondéré, du cumul des jours et des stats sur les différents jours, mais néanmoins pondéré, quoi. Et forcément, plus on évolue et plus la pondération est importante sur les derniers play day versus le dernier. Pour vous donner une idée, le dernier jour, les stats du premier jour, même si elles sont prises en considération, en fait, ne sont dans à rien du tout, en fait, à 5% du total des stats. Hein, ce qui est assez logique, parce que si on a fait 15 kills, 20 kills le premier jour, ah, c'est bien, mais bon, c'est peut-être parce que dans la ventilation et dans l'équilibrage des équipes, on n'avait pas tout fait de façon optimale, c'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé l'in-game leader, etc., etc. Voilà. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué, parce que si on voulait bien faire les choses, il faudrait quasiment faire la même chose avec... Je sais pas, honnêtement, il faudrait avoir une centaine de personnes dès le début, je pense. Hein, il faudrait avoir 100 joueurs et il faudrait que ça prenne 2 mois, quoi. Voilà, quoi. C'était ce qu'on avait décidé avec CJGG il y a 2 ans et puis au final, on l'a jamais fait parce que c'est long, parce que c'est vraiment très très long, quoi. Et c'est pas un problème de nous, hein. C'est pas la prod, c'est pas la SA Prod, donc c'est pas l'event de la Salty Academy, c'est pas moi non plus, c'est plutôt les joueurs, quoi. Hein. Quand on est jeune, souvent, il y a des changements qui peuvent arriver d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Ça peut arriver vite, quoi. Donc, de demander à une centaine de joueurs d'être là pendant 2 mois, ça, c'est impossible. Impossible. Hein. Il y en a forcément un qui va partir en camping au mois de septembre. Alors, on ne sait pas pourquoi... Ou l'autre qui va nous dire « Ouais, bah en fait, j'ai fait de la merde et puis j'en ai marre. » Bon, bah voilà, il a fait de la merde et il en a marre. Toujours, hein, voilà. Ravage, je le pensais plus haut, il était trop chaud sur Club. Ouais, non, mais clairement, après, ça veut pas tout dire. Vous inquiétez pas, hein, y a mon calepin à côté. Hein, moi, j'ai mon petit calepin. Donc, y a ces éléments-là. Hein, y a les éléments qui sont calculés et que vous pouvez voir. Maintenant, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a un élément extrêmement important sur... la qualité humaine du joueur ou de la joueuse. J'insiste, hein, j'ai insisté dessus, c'est pas un teaser, hein, c'est plutôt un spoil, hein, voilà quoi. Hein. Donc que je le dise, parce que bon, vous me connaissez, je suis assez transparent, j'en aurais rien à branler que le premier soit premier, hein, si je trouve que c'est un trou du cul. Voilà, si je trouve que je peux rien en faire et que je sens que c'est un nid à problème, bah je lui dirais, écoute, alright, super, je suis super content, t'as été un monstre, etc. Mais j'ai pas envie qu'on se retrouve dans la même équipe, quoi. C'est tout. 49-3, all the way. Moi, je le Manuel Valls. Hein, voilà.
Il n'y a pas Moi Moi. Ah si, si. Donc ça, c'est premier Majestic, deuxième Ashido, troisième Neprix. Ok, deux secondes. Ça, c'est mon côté maniaque, bien évidemment. Hop là, on arrive. Donc Majestic, Ashido, Neprix, Zaiden, TX, Arctix. Ensuite, on a Erki, Nuro, Skylia, Ayako, Len, Diggy, GFK. Ensuite, on a Walkyrie, Ravage, Ida, Chiki, Avok, Outsiders, Returns, Nado, Momoi, Istia, Yo et Espur. N'oubliez pas, ça peut aller très vite. Très, très vite. Et c'est pareil, il faudrait quasiment 5 games par joueur hein, pour avoir des stats qui sont très représentatives. Quoi. Là, j'insiste sur le fait que quand les joueurs et joueuses vont voir ce genre de tableau, il ne faut pas se prendre la tête parce qu'il y a quand même... Le prochain play day, il y a des joueurs qui étaient entre guillemets en bas du tableau qui seront en haut du tableau. Je le sais, en fait. C'est sûr et certain. Hein, voilà. Banni de Windows par la même occasion. Ah ouais, Rinsler, pourquoi? Ah oui, ok, je viens de comprendre. S'ils me font yesh. Voilà. Non, mais clairement. Je préfère avoir des joueurs qui seraient sur le papier moins bons avec une super mentalité et qu'on puisse faire un truc qui sera sur le long terme que l'inverse. Hein, voilà. Tu ne montes pas les 5 éliminés? Non, je vois pas l'intérêt. Les 5 éliminés, s'ils demandent leurs stats, ils auront leurs stats. Après, ils sont éliminés. Ils ont leurs stats. Ils ont aussi leurs canaux de communication, leurs réseaux sociaux. Libre à eux de vouloir parler de leurs stats. C'est tout. Je trouve que c'est une question de respect et c'est tout, quoi. Et je reviendrai pas là-dessus. Les OP du tableau sont les OP joués. Les plus joués hier par les joueurs. Ouais, normalement, yo. Ouais. Il peut y avoir peut-être certains... Il peut y avoir des petits soucis parce qu'il y avait... ça a été compliqué à la base, vous le saviez. Vous le savez, pardon. On n'était pas parti sur une idée de mettre du, BO, du BO2. Et puis, on a fait une modification au dernier moment. Voilà. Arrêtez de prendre ce bomb site. Ah, voilà. Dernière vidéo qui vient de sortir sur le campus de la Solitaire Academy. Vous êtes 521. J'attends les 521 likes. Ok. Non, parce que vous allez vous dire, non, mais moi, j'en ai rien à foutre de ta vidéo, 6-4. Oui, si vous voulez. Mais in fine, réfléchissons un petit peu tous ensemble. Étant donné que c'est du Rainbow Six, la vidéo, plus il y a de retours positifs sur Rainbow Six, et les créateurs de contenu, il n'y a pas que moi, hein, les autres créateurs de contenu aussi, voilà, plus ils vont être amenés à rester sur le jeu. Plus ils restent sur le jeu, plus le jeu se porte bien. Plus le jeu se porte bien, plus vous avez des chances, si vous aimez l'e-sport en tant que spectateur ou en tant que joueur, que ça marche dans le futur. Hein ? Tout le monde est gagnant. Maintenant, si vous ne voulez pas, bah, le faites pas ou commentez négativement les vidéos. Du coup, ils vont en avoir marre. Du coup, Twitter sera juste un endroit où il va y avoir des gens qui vont dire « Ah, mais moi, Rainbow Six, j'en ai ras le cul. Depuis que je suis passé sur « Insérer le nom du jeu ici », tout va mieux dans ma vie. » Pour certains, je le dis, viewers de l'ombre ou pas, vous avez une part de responsabilité là-dessus. Hein. Donc, vous dites pas « Ouais, mais non, en fait. » Si un jour Rainbow Six die... et tu te diras, putain, c'était bien quand même à l'époque. Rappelez-vous de la responsabilité que vous avez eue quand vous avez mis un commentaire de merde, quand vous êtes arrivé, etc. Ou quand vous vous êtes dit, ouais, vas-y, ce genre de truc, bah les couilles, quoi. Non, mais c'est mon bouton like, il ne marche plus. Ouais, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas des masses. Ah, voilà. Twitter, depuis le discours de Macron, c'est comment dire? What? Qu'est-ce qui se passe, Damara? Pourquoi tu dis ça? On préfère le live, la vidéo, on la regarde après. Oui, c'est sûr, jeune Sicario, je dis pas ça, mais c'est important, c'est important, c'est important. Parce que, comme je vous le disais, le Young Six Royal, bon, il y a un autre concept que j'aimerais bien faire quand même. Je vais pas vous en parler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un mute qui est en train de se barrer là? J'ai vu ça, Pouang. Arrête de faire... Pourquoi il a fait une... Pourquoi il a décalé là? Le pick advantage, tout ça. Voilà. Donc, mais c'est important, c'est important. Je le dis, je le répète. Hein. Le Young Six Royal, c'est aussi un test pour nous de voir si le contenu plaît, quoi. Parce que des idées, le pôle événementiel de la Salty Academy et les personnes qui travaillent derrière, on peut en faire comme ça sur n'importe quel jeu, quoi. Et on sait qu'il y a des jeux qui marchent bien mieux que Rainbow Six, sur lesquels ça manque grave de contenu, genre comme ça, ou un peu intéressant, un peu sexy, quoi. Voilà.
Donc voilà. Ouais, j'espère que le message est passé. Pardon, ça ne se reproduira plus. Alright, merci. J'ai même commenté. Elliot PGM, t'es un monstre. Ok, voilà, t'es un monstre. Je te le dis tout de suite. Voilà. T'as 90 likes. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Ok. Ok, tant que la patrouille de France n'écrira pas le nom de la Salty Academy, alright, et Rainbow Six dans le ciel, eh ben c'est mort. Je bouge pas. Un jeu ne peut pas vivre sans communauté. Grave. Bah ouais, bien sûr. Ça c'est sûr quoi. Ça c'est clair. Mais bon, d'un autre côté, c'est l'inverse est aussi vrai quoi. Hein. Voilà quoi. C'est vrai que la communauté n'est pas responsable de tout ce qui arrive sur le jeu. Hein, ça aussi. Hein. Et si le jeu est vraiment dans un état déplorable, je suis le premier à le dire depuis quelques temps maintenant. Là, c'est pas la faute de la communauté pour le coup. Plus de Rainbow Six tant qu'il n'y a pas des logos de la SA sur tous les Apaches de l'armée. Ah ouais? Alors des Apaches en France, il n'y en a pas des masses en revanche. De mémoire, hein, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y en avait pas des masses. Je crois que notre Apache, il s'appelle le Tigre quand même. Et en plus, il n'y en a pas des masses non plus. Hein, ouais. Un jeu ne vit pas uniquement à cause d'une communauté par contre. Non, bien sûr. Ah non, ça vit grâce à l'éditeur, etc. etc. Voilà. Bref, anyway, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le sujet. Pourquoi est-ce qu'on peut pas... Pourquoi est-ce qu'on... Nique-toi. Ok, parce que je suis en train d'essayer de faire ça, là. Vas-y, recliquez là, ce sera mieux. Donc là, je voulais faire un petit... le VBC, si je puis dire. Bon, s'il y a des trucs sur lesquels vous voulez qu'on intervienne, sur lesquels vous voulez qu'on revienne, on peut revenir dessus. Voilà, quoi. Pouang, si tu veux passer ou si tu veux commenter dans le chat aussi, tu peux. Hein. SRV, pourcentage de survival. Ok. Viens avec moi, Pouang, si tu veux. Tu veux expliquer un petit peu. Viens me voir. Viens voir ton 264. Pourquoi mon téléphone sonne, en revanche? Ça m'a pété les oreilles. Ah, ok. Alright. Bon, la moyenne de com, c'est bon. En revanche, SRV, c'est un pourcentage ou pas? SRV, c'est un pourcentage ou pas? C'est un pourcentage, oui. Ah, pourquoi il n'y a pas le sigle pourcentage? Et en haut, pourquoi est-ce que le pourcentage a été enlevé dans la colonne, dans le titre? Pourquoi c'est pas marqué pourcentage du headshot comme pourcentage du headshot? Parce qu'on a modifié ça tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu peux nous l'expliquer du coup, le SRV? Le SRV, le calcul exact? Ouais, l'idée quoi, qui est derrière quoi. C'est le nombre de kills plus le nombre d'assists divisé par 2, divisé le total par le nombre de morts. Ok. Donc c'est une espèce de mémoire, c'est une espèce de KDA évolué quoi. C'est ça. Kill death à 10-12. J'essaie de regarder s'il y a des... Pourcentage du headshot, il me paraît fat quand même pour certains. Putain la vache. 78%. Voilà. Pour ravage. C'est quoi les coefficients de chaque note? Comment ça, c'est quoi les coefficients de chaque note? Il passe pas le bac là? Il y a un 90% de headshot en haut. Ça a été revu ça? Le pourcentage, oui, de headshot? Okay. Ouais, on a tout revu ça. Je regarde à la fin. Bon, info de chat, je vais pas cliquer là-dessus. Résumé jour 1, parce que le jour 1, ça va être le nombre de stats qui va être récupéré justement sur Clubhouse. Kill, DS, assist, round, la différence de kill, enfin la différence. Le death par game, le kill par round, donc le KPR. Le SRV par round. Oui, parce qu'il y a une logique de survival dans un round ou pas, en fait. Est-ce que la personne est allée jusqu'à la fin du round ou pas? C'est ça. Ok. Donc, c'est pas un KDA amélioré, c'est quand même un... C'est plutôt un KDA slash round, donc KPR aussi. Voilà, quoi. C'est une...
on prend en considération le KDA et le KPR, en fait. Il me semble que c'est ça. Après, la moulinette, elle a été payée à CJGG il y a 2 ans. Donc, il y a certains calculs auxquels on n'a pas forcément accès et qui sont assez complexes, quand même. Voilà. Mais bon, c'est pas déconnant. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'API, donc on est obligé de faire les stats manuellement et on peut pas avoir autant de stats ni de précision, en fait, que CJG. Ouais, je sais. Hein. Ouais, je sais que c'était pas évident, quoi. Non, mais au final, c'est pas déconnant. C'est clairement pas déconnant. Le KOST, c'était trop compliqué, en final. Le KOST, c'est trop compliqué parce que avec l'API, c'était beaucoup plus simple, en fait. Ça extracte directement les datas de savoir si un mec a fait un kill au niveau de l'objectif ou pas, machin, quoi. Ce qui est pas le cas. Autrement, il aurait fallu payer carrément, là, comme la dernière fois ou comme la première fois avec le Unitis Royal, à savoir une personne qui était là pendant tout le Unitis Royal et qui, pendant la durée du Unitis Royal, en fait, fait les stats lui-même, quoi. Voilà. Donc, c'était ce qui s'était passé la première fois. Donc, c'était une personne de CJGG qui, pendant 2 jours, était payée pour ne faire que ça, quoi, en fait. Cette fois-ci, on le fait nous-mêmes. En utilisant l'algorithme qui avait été laissé à l'époque, quoi. Il y avait au total 10 de personnes derrière le Unitis Royal. Oui, absolument. Ouais, 10. Enfin, non, plus que ça, en fait. Plus que ça, parce que sur les stats, il y avait 10 de personnes, plus la modération, plus la communication, les live tweets, le machin, le truc, le bidule. Ouais, il y avait pas mal de monde. Mais c'est cool, c'est cool. Moi, j'aime bien, c'est sexy. Bon, et sinon, quels sont les autres trucs? T'as d'autres trucs à partager? Non. Ok, super. Je sais pas, vous vouliez savoir quoi? Les autres stats, donc kill, pourcentage de headshot pour un Eprix, donc on le calcule à la mano, ça. Ouais, dans le tableau jour 1, tout à droite, vous avez le nombre de headshots, le nombre de revenge qui a été fait, etc. etc. Alright. Opening death, opening kill, trade. Ouais, le trade n'a pas été mis, d'où le fait qu'on n'ait pas le KOST, ce qui était compliqué à calculer. Ouais, ce qui est pas simple. Ce qui nécessitait autrement de regarder toutes les VOD et de voir quand est-ce qu'il y avait un trade et tout. En plus, avec les Rios sur le jeu, voilà quoi. Et j'insiste, hein, il y a pas mal d'éléments. Ici, ça inclut donc du coup la note du joueur. Ça inclut aussi la moyenne de communication ici qui est importante. Voilà. Maintenant, ça ne représente pas tout, ok? Il y a aussi des trucs dont on discute avec nous. La moyenne de com, elle est hyper importante. Hein. Elle rentre vachement dans la note, en fait. Hein. Il y a vraiment des personnes qui peuvent avoir fait sorti 15 kills et puis on ne les a pas entendus. Ou alors, 2-3 fois, ils ont fait une remarque à la con du genre « Ouais, pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça ?» Ouais, ça a évité tout de suite. Hein. Ça, voilà quoi. Mais bon, d'un autre côté, je le dis pas trop parce qu'au final, après, les gens, autrement, ils vont le cacher. Mais bon, chasser le naturel, il revient vite au galop, quoi. Hein, voilà. Ou des personnes voilà, qui sont un peu plus effacées, mais il vaut mieux être effacé que de dire de la merde ou tomber dans les reproches, parce que ça, c'est pas rédhibitoire, mais ça peut diviser ta note, pas par deux, mais tu peux perdre 30% de ta note, quoi. C'est quoi le open kill death? Bah, un opening. Un opening, c'est le fait qu'on considère que le premier kill réalisé ne peut pas avoir la même pondération que le dernier kill, surtout en fonction du nombre de joueurs qui restent sur la map, quoi. Si c'est un 5v5, le premier kill réalisé, celui qui normalement fait un peu tomber le château de cartes, ne peut pas être aussi important que le dernier kill d'un 5v1 où tu viens juste tuer le mec qui est dans une situation de clutch irrécupérable, quoi. C'est pas possible, c'est pas le même kill, la pondération doit être prise en considération, quoi. Voilà, c'est, je sais pas, c'est comme si pour un attaquant de football, on peut pas considérer de la même façon, je sais pas moi, un but à 40 mètres d'un penalty, quoi. Bien évidemment, c'est but, mais il faut quand même rentrer dans des considérations de se dire putain, il a marqué 10 buts dans la saison. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, on fait tirer les penalties à chaque fois, quoi. Et donc, il a fait 8 buts, quoi. Ah ouais, ok, bon, voilà, quoi. Il y a un décalage pour la couleur de fond gris dans la colonne moyenne com. Oh putain. Je le vois même pas, moi.
Oh putain, moyenne com, ce serait bien de l'avoir de, avec, avec un pareil, un rainbow là, un arc-en-ciel. Ça pourrait être sympa. De yes, l'avoir comme la note globale quoi. De mettre. De bien prendre en considération que c'est important. Voilà, quelles sont les autres questions que vous avez, les amis? Donc, on fera la même chose, bien évidemment, pour le résumé jour 2, hein, qui sera vendredi. Vendredi, tout simplement. On pourra parler de tout ça en fin de journée. Et après, il y a l'accumulation de jour 1 plus jour 2 avec. À bien prendre en considération ça, Pong. Donc, le jour 1 plus jour 2. Avec une pondération plus importante sur le jour 2 que sur le jour 1, etc., etc., jusqu'au jour 5. Moi, c'est fait. Ok, super. C'est fait déjà. Le côté armé qui ressort. Le côté casse-couille. La moyenne com me paraît super subjectif, non? Où est-ce qu'elle est, le jour 5? Jour 1. Ouais. Bon call, mauvais call, toxicité, leading, pollution sonore, soutien, droning, et il y a encore 2-3 trucs qu'on vous fait pas voir. Voilà. Est-ce que tu castelleras la finale? Ouais, c'est pas vraiment une finale, c'est le dernier jour. Okay, c'est, voilà quoi. Donc, je sais pas, subjectif peut-être, hein. Il y a toujours une part de subjectivité de toute façon, hein, comme même un arbitre en finale de Coupe du Monde de football, il y aura toujours une petite part de subjectivité, il est tout seul, hein. Mais non, je pense que non. Après, ça nous donne une note. Et puis, on essaie de voir, quoi. Voilà, on essaie de faire les choses. Et puis derrière, moi, je suis indépendant de ça. Donc, quand on en rediscute tous ensemble, parce qu'il y a 2 autres entrées, il y a d'autres personnes qui font exactement la même chose. Et puis après, on croise en fait la note. Voilà, en se disant, OK, toi, t'as mis combien? OK, moi, je lui ai mis 30 bons calls. Ah ouais, parce que moi, j'en ai mis que 28, tu vois. Eh ben, let's go. Du coup, on décide que c'est 29, quoi. Voilà, quoi. Sauf si on s'aperçoit qu'il y a vraiment des grosses différences, mais en règle générale, c'est rarement le cas, quoi. Voilà, quoi. Le in-game leader se met super bien, du coup. MDR. Pas tout à fait. Il y a des éléments qui n'apparaissent pas dans le tableau. Ida. Non, t'inquiète. Voilà. Le in-game leader, c'est celui qui parle le plus. Oui, ok. Mais du coup, plus il parle, et plus aussi il peut s'exposer à dire de la merde. Hein, parce que plus tu parles, plus tu peux t'exposer du coup à de la pollution, plus tu peux t'exposer à être dans le reproche en fin de game, à ne pas te concentrer sur le prochain round, etc., etc. Ne pas être un soutien mental. Et non, c'est voilà, c'est pas juste des maths quoi. Faites-moi confiance, vous inquiétez pas. Et faites confiance au campus de l'ESA. Et puis si ça marche pas, eh ben ça marchera pas. Right. Comment vous avez calculé la com à la main? Bah là, comme on vient de le dire. Ah bah de toute façon, il n'y a pas d'extract de data par rapport à ça, quoi. La com, elle est calculée à la mano. Hein. Voilà, de savoir quand il parle, si il dit ça, c'est bien ou pas, quoi. Le fameux t'aurais dû. Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura des erreurs, de toute façon. Et puis, on essaiera, quoi. Voilà. On essaiera de faire en sorte de faire au mieux. Mais bien sûr, il y aura des erreurs. Hein. Voilà. On pourra pas... ça va pas être parfait. C'est pas possible. Tu m'as laissé mourir. Bah, laissez mourir ou... vous avez vu, c'est grâce à moi. Il y en a eu un ou deux hier, des trucs comme ça. Hein, bon, ça me fait rigoler, mais voilà. Après, on verra. C'est tout un tout, quoi. Hein. Après, tu peux prendre les 5 meilleures personnes avec des grosses capacités de communication. Et puis au final, tu les mets tous ensemble et puis ça se passe pas, hein, ça marche pas, quoi. Hein, voilà, quoi. Hein, Bon, faut pas prendre en considération la couleur là qui part vers l'orange là, c'est pas très très grave ça. Voilà. Et vous verrez, il y a pas mal de personnes qui sont entre guillemets à l'heure actuelle ici peut-être. Et je sais que la semaine prochaine, enfin vendredi pardon, ils seront en haut quoi. Je le sais. Voilà quoi. C'est pas voilà. Il y a encore des petits ajustements donc qu'on doit faire par rapport à certains trucs aussi. Voilà, parce que le truc de CGG date d'il y a 2 ans, mais le jeu il a évolué, c'est pas tout à fait pareil, donc on pouvait pas noter de la même façon certains trucs. Voilà quoi. Non, mais en vrai, les reproches il faut se les faire pour avancer, mais please, pas pendant les rounds. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est souvent on en parle quoi.
Après, ça peut aller vite, hein, ça peut être rapide en se disant putain, on aurait pas dû faire ça, les amis. Je sais pas, on manque un peu d'agressivité, etc. Mais bon, on voit ça tout à l'heure. Tac, si ça dure pas une heure, ça dure pas une heure, quoi. Le problème, c'est quand ça va durer une heure et puis qu'après, ça rentre dans une espèce de compétition de qui tout dur, en mode c'est moi qui ai raison, voilà, quoi. Là, du coup, c'est quasiment rédhibitoire. Hein. C'est quasiment rédhibitoire. Le mec, il peut sortir 30 kills, bon. Aïe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc pour le moment, ouais, bon, j'ai pas envie de... Les personnes qui sont éliminées maintenant, elles ont le droit, de toute façon, elles ont feu vert pour l'annoncer, pour en discuter sur leur réseau, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller les suivre. Sur le premier tweet qu'on avait fait sur le @SaltyAcademy qu'on pourrait envoyer dans le chat, il y avait du coup, sauf pour Momo et je crois, où on s'était gouré, il y a tous les tweets de toutes les personnes. Donc voilà, vous pouvez aller les suivre, vous pouvez aller les voir et puis n'hésitez pas à suivre les joueurs, quoi. C'est aussi ça le but principal du Young Thieves Royale, créer du contenu sur Rainbow Six, j'insiste, et de faire découvrir des gens, hein. Voilà, c'est l'un des buts principaux. Voilà, le but du jeu, c'est pas après 3 pracs d'aller péter G2 après-demain. Ouais. Ça c'est confondre objectif et rêve, ce que je ne fais pas. Joker est out. S'il n'est pas là, c'est que effectivement Joker est sorti. Ouais. Quels sont les noms des personnes qui sont sorties, du coup? Je pense qu'on peut les annoncer, ça sort pas sans rentrer dans les stats. Spaco, Jokers, Izikun, Smugs et Sentinel. Ok. Alright. Sentinel, l'homme qui avait cheaté en Teachers. Pour ceux qui ont la ref, bien évidemment. Si vous l'avez pas, pour l'exclamation YT. Hein. C'est si que ça va. Ouais, ça va très bien. Pauvre Spaco. Ouais, mais Spaco, voilà quoi. Faut qu'il arrête de vouloir devenir professionnel sur tous les jeux aussi. Il y a un moment, faut se poser quoi. Non, mais hier, il a dit qu'il retournait sur Valorant. Ah ouais? Non, mais voilà, ça c'était sûr ça. Putain, il avait participé au Valor Royale l'année dernière. Je crois que c'est le seul hein, d'ici qui a participé au Valor Royale. Hein. Voilà quoi. Oui, c'est le seul. C'est absolument le seul. Qui était dans les 38. Ouais, clairement. Mm-mm. Le problème, ce serait aussi de garder plusieurs IGL. Il y a un moment, de toute façon, on va pas pouvoir faire rentrer des ronds dans des carrés. Hein. Va falloir discuter avec les personnes qui vont rester sur la fin en leur disant « Hey guys, si on a pensé à ça, ça et ça, est-ce que ça vous irait ?» Machin, truc. Il y aura forcément une discussion qui va se faire. Hein. Ça, c'est pareil, quoi. Voilà. Le but du jeu, c'est que l'équipe, elle se sente bien, quoi. On va pas mettre deux in-game leaders qui vont se taper l'un sur l'autre. Voilà quoi. Voilà. Enfin bon, après, c'est. Voilà. Moi par exemple, j'ai toujours été in-game leader, mais ça m'a jamais dérangé de laisser ma place à une personne que je considérais comme meilleure quoi. Le problème, c'est quand la personne, je la considère pas comme meilleure. Voilà, là, ça peut poser problème quoi. Effectivement, si j'ai vraiment l'impression qu'il fait du caca, voilà. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué de faire confiance sur la durée parfois en disant putain, merde. J'ai l'impression que j'aurais mieux fait. Voilà. Cash prize de 100 000 euros, pensez-y les gars. Bah ouais, bah vas-y, fais le virement Mushroom avec ta retraite. Hein. C'est quoi les principaux atouts d'un in-game leader selon toi? Waouh. Bah, la réponse est dans la question quoi. Hein. Le principal atout, c'est le leadership quoi. Tout le monde n'est pas fait pour avoir une capacité d'encadrement quoi, hein, je pense. Dans Rainbow Six, en plus, il faut avoir une capacité de directive, en fait. C'est-à-dire de dire toi là, toi là, toi là, toi là, sans que ça puisse être mal pris. Hein. Faut avoir du tact, en plus. C'est les qualités humaines et psychologiques qui sont importantes, qui sont pas faciles, hein, qui sont vraiment pas faciles. Hein. C'est pas simple, hein. Voilà quoi, d'ordonner sans être tyrannique quoi. C'est très compliqué, hein. C'est vraiment super compliqué honnêtement. Voilà. J'ai déjà du mal à l'heure actuelle, mais je comptais sur toi, faut croire que cela n'est pas possible à la Salty Academy. Ouais non, Mushroom, oublie. Savoir prendre les bonnes décisions avec la bonne mentalité pour moi. Savoir prendre les bonnes décisions, non. Savoir prendre les bonnes décisions, non, là c'est plutôt dans sa capacité. C'est plutôt dans sa capacité de tacticien, du coup, qu'il saura prendre les bonnes décisions. Le problème, c'est plutôt quand c'est la tempête. Hein. Quand est-ce que tu vois les bons capitaines? Quand la mer est calme? Hein? Ou dans la tempête? Voilà. Si la personne arrive à tenir le navire dans la tempête,
c'est là que tu t'apercevras que c'est là que tu t'apercevras que si la personne est bonne ou pas. Voilà, après bon, c'est des trucs. Ne pas rappeler qu'on est le chef. Montrer par l'exemple aussi, ça c'est important. Voilà quoi. Je pense que mais moi j'ai vraiment beaucoup de mal là-dessus. Hein. C'était vraiment très compliqué hein, de temps en temps. Mais ça c'est un truc que moi j'ai appris à Saint-Cyr, c'est que le plus mauvais des leaders, c'est celui qui est obligé de toujours rappeler qu'il est leader. Ouais. Si t'es obligé de rappeler c'est moi le chef, c'est que t'es un mauvais chef. Ça c'est... Si tu fais péter les galons trop souvent, comme on dit, c'est pas bon. C'est pas bon signe. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Hein, voilà. En règle générale, le meilleur des leaders, c'est celui qui a pas besoin de le rappeler pour que les gens le suivent, en fait. Donc voilà. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de trucs. Voilà. Et puis, bah... Faut être irréprochable, forcément, quoi. Un 14 juillet, avoir droit au programme de campagne pour les présidentielles... Merci Toufi pour les 28 mois de super étudiants du campus de l'ASA. Un monstre, vous l'avez. Merci Volk Team aussi, nouvel étudiant du campus. Un monstre, vous êtes des putains de monstres. Merci beaucoup, vraiment. Coucou tous les gens, sauf les personnes qui ont une pointure supérieure à 46. Ouais, faudrait les mettre, ceux-là. Faudrait les mettre, je pense. Les trois personnes là, qui ont des pénis à la place des yep, là. Voilà. Ah, y en a beaucoup qui ont quelque chose. Non, mais 47, quoi, sérieusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ils allaient en vacances à Fukushima ou c'est pas possible? 47! Mais 47, mec! 47, tu rentres même pas dans un train, sérieux, c'est pas possible! Non, enfin, je sais pas quoi. Tu t'habilles, tes chaussures, tu les prends juste chez Decathlon, en fait, au rayon plongé. 49? Non, mais tu fais pas du 49, mec, c'est pas un yep. Mais c'est une planche de surf. 1m95, je fais du 43. Voilà, 43, c'est bien! Ouais, 43, BG, c'est tout. Hein, tu montes les escaliers sur la pointe des pieds. Non, à l'envers. Ils sont obligés de claquer des moonwalks, les mecs, pour monter les escaliers, je pense. Il y en a 9 qui chaussent 46 et plus encore dans l'équipe. Ouais, mais c'est le 47, quoi. Le 7, là. Là ça approche du 50, quand même. Putain, la vache. Merci infiniment, Tesoro, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Merci infiniment, poulet. Un monstre, bienvenue. 1m90, 14 ans, 45. 1m90 à 14 ans. Vas-y, me venez jamais me voir en LAN, vous. Tous ceux qui font plus d'1m85, là, vous venez jamais me voir en LAN, c'est mort. Non, c'est mort. À chaque fois, je passe pour un con, quoi. À la PGW. Je peux avoir un autographe? Ouais, je fais quoi? Je te le lance? Non, mais je sais pas. Non, ça, c'est mort. Hein. Important la taille des pieds pour qu'il est sur Rainbow Six? Bah oui, forcément. Parce que, regarde bien, les meilleurs joueurs à l'heure actuelle sont des personnes qui ont le visage très près de l'écran. Si t'as des grands pieds, alors tu peux pas t'approcher du bureau. Si tu peux pas t'approcher du bureau, tu peux pas approcher ton visage à 3 cm de l'écran comme Sheiko. Donc tu es nul. Grand pied égale nul au FPS. CQFD. Ah ouais, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Merci, Jamy. Renshiro. Je sais même pas combien de choses du Renshiro. Attends, on va l'appeler. Ah, il doit être en prac. Il est en prac H24 depuis 5 ans, le mec. Ouais, à chaque fois, il répond pas, de toute façon. Olivier Vendroux. Je sais pas si c'est toujours son numéro de téléphone. Ma blacklist? Non, bah non, ça sonnerait directement sur son répondeur. Ok. Eh bah, il répond pas. Vas-y, attends, je vais lui envoyer un message. Tu choses du combien, wesh? Attends. Olivier Vendroux. Tu choses du combien? Il était là il y a 1h30 en plus sur WhatsApp. Les viewers veulent savoir. Je suis sûr, il y a des choses du 54. C'est sûr. C'est sûr et certain. Il filtre, il a vu que c'était 6-4. Ouais, c'est possible aussi. Ça, c'est fort probable. Il sait très bien que je peux l'appeler en live et voilà, il aime pas ça.
C'est quand même une info extrêmement importante qui n'est pas sur Wikipédia. Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord avec ça. On va se poser des questions MDR. Ouais, c'est possible. Ok. Bon, toutes les stats. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux stats? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir tranquillement avancer. Putain de Covid. Et je vais aller jouer. Hein, parce que j'ai pas joué depuis 6 jours, donc ça va être dégueulasse, quoi. Donc il faut au moins que je me chauffe un petit peu avant de partir. Voilà. Ça va vraiment être dégueulasse. Ça va être un niveau absolument infâme. Monsieur le proviseur, puis-je disposer? Oui, vous pouvez y aller. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous en prie. Moi aussi, cher Pohang. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ok, c'est basé sur quoi la moyenne des coms? On a déjà parlé tout à l'heure, il fallait arriver plus tôt, TX. Merde. Regarde la replay. Ok, mais je mettrai de toute façon, pour l'exclamation YT replay, je mettrai la VOD. Right? Anyway. Cringe, jamais. Ok. Quelle heure se fait-il? Il est 16h31, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qui sont les 5 éliminés? Pareil, on a déjà... Mais on n'a pas mis les noms. Donc, on n'a pas mis les noms. Il faut regarder les noms, il faut faire une soustraction. On en reparlera vendredi des personnes qui sont éliminées. Voilà. Avec les personnes avec lesquelles on avance, du coup. Alright, studio, poulet. Bon, sinon, comment va l'état du jeu? Ça se passe bien? Tout va bien? Non, bien sûr. C'est selon toi quoi la compo? C'est selon toi quoi la compo parfaite? Je sais pas, pourquoi? Je comprends pas la question. Une compo parfaite, ça n'existe pas, voilà, déjà. C'est pas possible. Une compo parfaite, ça n'existe pas. À partir du moment où ça intègre un groupe de plusieurs humains, qui ne sont ni des robots, ni pas clonés, y a beaucoup de possibilités que ça foire, ok? Donc c'est assez compliqué, hein. L'alchimie qui fait que ça peut marcher ou ne pas marcher, parfois, on se demande, honnêtement. Donc, non, il n'y a pas de perfection, quoi. On en reparlera de tout ça. Le jeu est cassé. Oh, putain, je peux au moins le lancer, quoi. Sérieux? Beaucoup de cheaters, comme d'hab. Ouais, bon, voilà, quoi. Ouais, les bronzes n'ont aucun problème de cheater. Bah, je vais aller en bronze. Ça sera beaucoup plus simple. Ah, oui, c'est vrai, ce truc-là. 3 fois d'affilée, toujours. Mon Dieu. My fucking god. Alright. Ok. Et ok, Rainbow Six. Rainbow Six, c'est bon. Allez, une petite troisième fois. Allez, oui, ça fait plaisir. C'est chiant ce truc, hein. À chaque fois, hein. C'est à chaque fois qu'il y a une mage. Une combo parfaite, c'est Monsieur le Proviseur qui paye les 5 agents en même temps. Bah, je crois pas, non. On en parlait hier. Non, je pense pas, non. Non, si je me clonais, c'est mort. Ah non, on se défoncerait la tronche. Ah non, c'est mort. Deux mecs comme moi dans la même équipe, c'est fini. Top. Zéro. Non, c'est genre impossible. Je lance. Tu mets des têtes, ça compte dans le ventre et vice-versa. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu. Non, mais attendez. Et c'était quoi cette espèce de bug qui fait que tu peux utiliser les mêmes opérateurs, là? J'ai vu des clips avec 2 montagnes, avec 5 Blackbirds et avec 8 Zofia, quoi. C'est quoi cette blague? C'est quoi ce truc là? C'est sur console, j'espère. What? Vous avez pas vu ça? Non, sérieusement. Attendez, je vais essayer de le retrouver, je vais vous faire voir. J'ai dû le voir sur Twitter. Twitter! The home of bullshit. Ah bah voilà! Un bon site à éviter, le proviseur vous explique. Voilà. Ne prenez plus ce bon site. Je pense que ça doit être Oregon. Bon, après, c'est pas valable pour tout le monde, mais voilà. Trop de gens qui prennent le dining, là. Merde, j'ai donné la réponse à la question. Allez regarder la vidéo, quand même. On ne sait jamais. Il peut y avoir peut-être un autre bon site dont on parle. H. Oula, non, j'ai cliqué sur une demoiselle. C'était pas là-dessus que je voulais cliquer. Ok, H. Ok, c'est où? Ah, c'est là. Attendez, bougez pas. Vous avez pas vu ça, sérieux? Attends, on va aller regarder là. Ça, vous l'avez pas vu? 1 montagne, 2 montagnes?
C'est exceptionnel quand même, non? Bon, c'est trop bien, mon gars. 5 Blackbirds, c'est chambé, sérieux. Non? Franchement, un petit 5 Blackbirds, là, on est bien, quoi. Non? Ouais, non, franchement, non. Là, c'est bien. It's in cage world. Ah, c'est juste en cage world. Ah, d'accord. Je savais pas. Bon, après, il y en a qui disent que c'est photoshopé, quoi. Mais bon, j'avais vu le clip. Je sais pas où il est, le clip, là. Je sais pas où il est, le clip. Je crois que quelqu'un avait montré le clip ici, là. Ça, j'avais trouvé ça génial. Oups, scandalous. Oh, t'imagines, sérieusement? C'est tellement énorme. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu fais ce que tu veux, sérieux. C'est complètement insane. Ah, le clip. There's two Monties, bro. What? They're cheating. They're cheating. What the fuck? There's two Monties. They're cheating. They're cheating. What the fuck? C'est énorme. There's two Monties, bro. What? They're cheating. They're cheating. Oh, je trouve ça génial. Putain. C'est ridicule. There's two Monties, bro. What? They're cheating. They're cheating. What the fuck? They're cheating, they're cheating. What the fuck? Imagine two yings. Ah lol. C'est Sergio comme ça. Ok, get. Pourquoi il y a le A de la Xbox? Si j'appuie sur A du coup. Ah, ça a fait disparaître le A de la Xbox. Ok, let's go. Oh merde, faut que je refasse les. Mes graphismes. Studio poulet. Option, display, du coup ça doit être ratio 4 tiers, hop là, donc ça c'est bon, il n'y a pas besoin de le changer, ça se fait auto, mais l'autre va peut-être falloir reboot, enfin reboot tranquille le jeu quoi. Graphique, custom, oh fuck it, medium de mémoire, anisotrope 8x, load quality, on est forcément en high, shading quality, on est en low, shadow quality, very high. Reflection quality, low VFX quality, c'est nouveau ça. Adjust the quality of in-game visual effects like particules, nanana. Ok, high je vais mettre. Ambient occlusion, surtout pas. Off, TAA, 100, bam bam. Non, c'est bon du coup. Bah non, ça va être la qualité des textures, si tu l'élèves peut-être que ça fout de la merde. Reflex, on s'en fout. Latency flash indicator, surtout pas. Certainly not. Training rounds. Let's go, motherfuckers. VFX en high, ça risque pas de polluer l'écran. Je sais pas. Oh, ça me fait bizarre de jouer là. Ça va être compliqué, je vous le dis tout de suite. Ouh. Oh, ça fait 6 jours sans jouer là, ça va vraiment être dur. Je vais vraiment puer la merde. Depuis quand il renforce ce mur? Cette barricade là, j'ai jamais vu ça. Vas-y, tue-le-moi toi. Let's go. Y a rien qui me frustrera le plus que de regarder pendant 5 secondes ce replay de merde qui sert à rien. Oh là 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 là, failure. Oui, d'accord. On veut un training ground. Un vrai mode d'entraînement où on peut s'entraîner. God damn it. 10 secondes de perdu là. Allez, et c'est reparti. Est-ce qu'on peut six peak aussi, non? Mon dieu. Mmh. Pas capable de win une terro. Oh là, c'est impossible pour moi, Théo. Moi, je joue pas pendant 6 jours, c'est terminé après. La terro, elle est inwinnable. Tu
jouais dans quelle équipe en PL? Yonkis, avec laquelle j'ai gagné le PL. Après Millennium et Penta, à l'époque de... Au début de Pengu. Bah non, tu l'as pris ta balle toi, non? Ça saigne mais pas pour... Alright. Quelqu'un peut me dire s'il y a des gens à DPI de 800, tu dois avoir du coup une petite sensibilité. Bah ça dépend de la souris, ça dépend du tapis de souris aussi. Ça dépend de ta, ton ratio, la résolution, le FOV. Voilà quoi, mais sur un 4 tiers 90... 800, ouais, tu vas pas monter, ça va ressembler, une bonne sensible va ressembler à peu près à un truc du genre, je sais pas quoi, 9940, 9950. C'est les deux premiers chiffres qui sont les plus importants. Quoi. J'ai 800 DPI, 8 de sens. Ouais, voilà, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Après, je parle par rapport à une moyenne, hein, voilà quoi. J'ai un problème avec ma souris, désolé. C'est pour ça que je meurs là à la fin, ce qui est un truc qui me saoule. Il y a un truc qui m'énerve. Pas grave, tranquille. J'ai 400 DPI et 10 de sens. Ouais, bon, moi aussi je suis pareil. 400 DPI, 10 de sens, c'est pas déconnant, hein. Clairement pas. Des pays dans 10-200, c'est bien. Alors désolé pour les petits mouvements au début, surtout quand j'ai pas joué depuis 6 jours, je fais beaucoup de mouvements qui servent à rien. Enfin, qui peuvent donner l'impression de servir à rien. C'est juste pour chauffer la souris. Enfin, chauffer la souris. Juste pour me chauffer, quoi. Un peu, ça doit donner la gerbe. Hein. 800 DPI, 5-200, je trouve ça parfait. Ouais, bah après, chacun une sensibilité, ça reste quand même assez, assez perso, quoi. Hein. D'où est-ce qu'il a pris une tête lui? Oh! Ah sorry. C'est mon épaule de grand-père ça les amis. Comment ça se fait qu'il y ait si peu de bonhommes qui arrivent? Normalement, il y en a genre 3 fois plus. Chelou, non? Bon, désolé, faut vraiment que je me chauffe, autrement je vais me frustrer en game. Hein, je suis désolé. Je joue avec l'avant-bras posé sur le bureau. Ouais, je joue beaucoup à l'avant-bras, moi. Énormément à l'avant-bras.
Et c'est barré. Donc il est là. Ah non, il est pas là. C'était parti, loulou. C'est quoi la résolution? 1920x1080. C'est ce qu'utilise 90%, 98% je pense des joueurs. Ah les bâtards. Let's go, c'est bien, on chauffe bien, tranquille. Est-ce que ton coude dépasse de ton bureau quand tu joues? Ouais, bien sûr. Ouais, En gros, le tapis de souris est légèrement... il est collé au bureau, il passe en dessous du bureau en fait pour éviter de me faire mal quoi. Voilà quoi, et ça tombe à peu près là quoi. Mon bras, ça tombe là au niveau du bras. Ça tombe en plein milieu du tatouage. Là. Et après je fais ça quoi. Et le bureau est là. Je sais pas si c'est très clair mais ouais. Mais le tapis est vraiment trop bien. Ça a été le plus gros problème de mon année. Un tapis que j'avais depuis 6 ans et donc je voulais vraiment une bonne force de frottement. Et les mecs sur Reddit ont été monstrueux par rapport à ça en calculant toutes le stopping power et les forces de frottement sur des tapis et tout. Je trouvais ça génial. Donc j'ai repris le même que le mien quasiment. Voilà quoi. Mais avec les frottements d'un vieux tapis quoi. Pas vite hein. On va accélérer après. Pam pam. Ça va pas vite! C'est la vieillesse, les amis, ça. Je suis le seul à jouer en 3 demi. Non, j'ai joué beaucoup en 3 demi pendant un certain temps. Puis après, j'ai arrêté. Là, le seul truc qui me démange depuis 3 ans, hein, c'est de passer sur une souris light, quoi. Parce que la mienne, c'est vraiment une pelle à tarte, quoi. Hein, comme je l'ai déjà dit. Petite souris super light là, j'aurais moins mal au bras, j'aurais moins mal au poignet. Enfin, j'ai pas mal au poignet, j'ai pas de problème. En tout cas, c'est vraiment un problème pour les gens qui jouent fingertip. Ils peuvent avoir des problèmes au bout d'un moment quoi. Ça, je suis vraiment content de pas avoir des problèmes comme ça quoi. Pas mal de joueurs qui ont dû complètement arrêter pour le coup leur. Bah, leur. Toute leur. Comment on appelle ça? Leur. Leur carrière en fait. Ouais, je suis désolé, je suis trop con, j'arrive pas à faire deux choses à la fois, vous savez. Ah, tu vois, ça m'énerve. Avant, je fais le con, mais tu vois, il devait prendre le one. Là aussi, d'ailleurs. Il y a des fois où je fais le con et des fois où j'aime pas quand même, parce que je fais pas le con en fait. On t'a entendu, toi, là-bas, loulou, mais mec, la musique. T'es là, non? T'es où? Ah. Ah. Il est trop bien maintenant, la bearing. Elle est vraiment trop bien, quoi. Elle tape dur, quoi. Enfin, je sais pas. Faudrait vraiment que je la joue plus souvent, quoi. Surtout avec sa cadence de tir de bâtard, là. Je suis vraiment nul. Toujours jouer avec les ACOG et tout. C'est hallucinant comme le jeu a évolué dans un sens, en fait, où il m'a dit merde, quoi. C'est assez hallucinant quand même.
vraiment tous les trucs que tu faisais au début du jeu et tout, ACOG, machin, drop shot, tout ça. Du coup, non en fait. Tu joues en 4 tiers ? Ouais, je joue en 4 tiers. Vas-y, tu devrais spammer encore plus à l'aise, je pense. Hein ? Tiens, je te jure. La coque à jour est compliquée, compliquée. Non, ça joue très bien, quoi. Ça joue très bien, franchement. Mais ouais, le style de jeu. Le style de jeu fait que. Depuis le début du jeu. Après, peut-être que les ACOG étaient trop puissants à un moment, mais ça a quand même, depuis 3 ans, ça a mis vachement... Les non-zooms étaient avantagés, je trouve. Tout simplement, en fait. Je l'ai toujours dit, hein, je me souviens il y a 2 ans quand je disais, je pense qu'un bon joueur, holographique est meilleur qu'un bon joueur ACOG, en fait. Tout simplement, quoi. Et quand je disais l'évolution, ce sera justement ça, quoi. L'évolution, ce sera des joueurs qui vont jouer qu'holographique, quoi. Je suis content qu'ils aient trouvé le 1.5, quoi. Bon, il y a un moment, tu dois t'habituer, hein. Moi, j'étais content de le trouver et de me dire, ok, en fait, ça passe le 1.5, quoi. Mais si j'ai pas de zoom, je suis perdu parce que ma sensibilité est pas la même. C'est compliqué, hein, franchement. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment pas un jeu simple, un R6, hein. Par rapport à d'autres jeux, putain la vache. Actuellement, je trouve la 1.5 pas mal. Ouais, la 1.5, bon, c'est l'un des meilleurs zooms du jeu à l'heure actuelle, franchement. Tu vois des joueurs. Je voyais Twitch avec. Twitch, pardon. Spoit avec sa Twitch là-dessus. C'est assez insane, hein. Putain, tu vois, ça m'énerve. Faire des décades aussi pourris. Ta tête est là, toi. Ah non, t'es en train de te barrer avec mon Wallach. Ah bah non, il est là. Je crois que t'as laissé ton arme, mec. Ah bah, c'est bon. Non. Je me balade sur la map, j'oublie totalement parfois qu'il y a un diffuse. La 1.5, non, franchement, la 1.5 sur Twitch, là, la 1.5 sur des hautes cadences, je trouve ça abusé, je trouve ça totalement fumé, en fait, quoi. Je trouve ça totalement fumé, quoi. Je pense que, à l'heure actuelle, toutes les armes à forte cadence devraient avoir un recoil assez conséquent, un peu à l'image d'une R4C, et pas de zoom, en fait. Voilà, quoi. Pour essayer d'équilibrer le jeu, en fait. Pour essayer de trouver une balance entre zoom et pixel et voilà, quoi. Après, c'est les pros qui décident, hein. C'est les pros qui voient, quoi. Moi, je m'en fiche, au final. Tant que la communauté écoute les professionnels qui savent de quoi ils parlent, les professionnels du moment, hein, pas les retraités, pas comme moi, quoi. Ça me va, je m'en fous, en fait. C'est pas grave si dur d'autres jeux, je suis en 800 DPI, mais que sur Rainbow, je suis en 400 DPI. Pour plus de choix dans ma sensi. Attends, c'est pas grave si sur d'autres jeux je suis en 800 DPI. Mais que sur Rainbow je suis en 400 DPI pour plus de choix dans ma sensi. Ouf, grave. Non, je pense pas. Après, je suis pas la meilleure des personnes pour parler de ça, en fait. Moi, je suis assez relou avec ça, quoi. Hein, ça doit faire 15 ans maintenant que j'ai la même forme de souris, que j'ai jamais changé de souris, j'ai pas changé de tapis de souris pendant 6 ans. Je déteste, en fait, les changements, quoi. Parce que les changements, c'est trop la possibilité de trouver une excuse par rapport au fait de me dire « Non, mais voilà, quoi. » Les gens qui se disent... les gens qui changent tout le temps de quelque chose. De tapis, de souris, de trucs, de machin. Je pense que ça indique quelque chose. Et que ça indique pas le meilleur. Ça indique pas le meilleur, en fait, quoi. Après, tu peux tester, hein, tu peux faire des tests. Hein, c'est... Voilà, il y a... Mais bon, des personnes qui disent « Ouais, mais c'est ma sensi, en ce moment j'ai changé et tout. » Changer de sensi, pour moi, c'est une connerie phénoménale, quoi. Voilà. À moins que tu changes de résolution, tu vois, pour avoir la même sensi au final, quoi. À moins que ce soit un truc du jeu qui fasse que c'était... qui est-ce qui faisait ça? C'était Dan, je crois. Dan n'avait pas la même sensibilité en fonction de s'il prenait un ACOG et un holographique. Parce qu'en fonction de s'il prenait un ACOG, il était en 16 dixième. Et s'il prenait un holo, il était en 4 tiers, quoi.
C'est un peu comme sur Escape from Tarkov, en fonction de, des trucs que tu peux mettre. En fonction des... Peut-être, quand ton ergo change en fonction des armes, c'est pas si con que ça au final de changer de sensi. Mais au final, c'est, in fine, c'est pour retrouver la même sensation. Et la même sensibilité. La santé, c'est comment le plus gros beau gosse de R6 est encore plus beau gosse quand il ment sur Among Us. Putain, Among Us, quoi. Il est encore là, ce jeu. Merci, Adam, t'es un monstre, merci pour les 7 mois de frais scolarité. Pam, pam. C'est NJR qui a fait ça. NJR ? C'est qui NJR ? Non, c'est... Donc, moi, je suis partisan, en fait, de... il faut pas que les choses changent. Pour vous donner une idée, après, c'est vraiment une mentalité, bon, voilà, particulière. Hein. Par exemple, avant d'aller en LAN, j'avais un mètre. Je savais très bien quelle était la hauteur de ma chaise, quelle était la hauteur par rapport au coude, quelle était la hauteur de mon... De mon écran par rapport à la table. Il y avait des marqueurs par rapport à mon tapis de souris ou par rapport à mon écran pour qu'en fait mon clavier soit au même endroit, etc. Au millimètre près, en fait. Quoi. Peut-être pas au millimètre, mais un demi FPS, quoi, tu vois. Un demi FPS, pardon. Un demi centimètre, ouais, je pense. Quoi. Voilà, quoi. Je faisais toujours ça. Pourquoi ? Parce que je voulais pas avoir la possibilité de trouver l'excuse de me dire que c'était pas de ma faute. Parce que c'est trop simple autrement de trouver des excuses. C'est pas une façon de parler, hein. C'est pas juste c'est simple de trouver des excuses. Ouais. Non, c'est vraiment simple de trouver des excuses. C'est beaucoup plus simple de trouver des excuses que de commencer à se remettre en question. Dans tout d'ailleurs. Hein. Ça, c'est valable dans je sais pas moi, tu quittes ton boulot, c'est beaucoup plus facile de dire de toute façon c'était un boulot de merde. Que de te dire merde, j'aurais peut-être pu faire les choses différemment, quoi. Dans une séparation, pareil. Ouais, de toute façon, c'était une conne. C'était un con. Ouais, ouais, mais bon. Ça fait 5 fois d'affilée, quoi. Il y a un moment, comme on dit au poker, tu sais, au bout de 10 minutes, quand tu t'es pas aperçu de qui était le fiche à la table, c'est que c'est peut-être toi le fiche, en fait. Et moi, j'aime bien le fait de... What? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mec, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait que des moonwalks et tout, lui, là. Moi, j'aime bien le fait que je ne change pas les trucs. Comme ça. Tiens, prends ça. Je ne change pas les trucs comme ça. Merde. Comme ça, je suis sûr que le problème vient de moi, en fait. Il n'y a pas de... Ouais, mais c'est parce que je me sentais pas comme à la maison. Bah, je peux pas me sentir comme à la maison. C'est la même chose, quoi. Je jouais dans les mêmes conditions. Ouais, mais c'est parce que ma souris... Ouais, mais c'est parce que j'ai oublié mon tapis. Ouais, mais c'est parce que... Ah, souvent, quand je suis froid, je préfère augmenter ma sensi. Putain, en ce moment, mec, j'ai changé de sensi. Ça touche trop bien, tu sais. Ouais, et puis 2 semaines après... Ouais, non, je suis revenu sur ma sensi de la semaine dernière. Parce que, voilà, quoi. Putain, j'ai regardé la vidéo de... Nanana. Et il joue en 4 millième. C'est une nouvelle résolution, mon gars. Je vais faire la même chose sur un 27 pouces incurvé. Je suis sûr que ça va toucher. Mais ça, c'est des excuses, au final. Le meilleur moyen, c'est tu chopes un truc, ça bouge pas, tu fermes ta gueule, tu te remets en question, et puis t'y vas, quoi, c'est tout. Et puis tu bosses, et puis voilà, quoi. Ah ouais, non, je pense, hein. Mais on est tous passés par là, hein. Moi, j'étais le premier à le faire avant. Je changeais toujours de sensi et tout. À 17 piges, à 19 piges, pardon, en LAN à Counter-Strike, voilà, quoi. Toujours pareil en me disant ouais mais faut s'éversier, ouais mais machin, ouais mais la M4 faut mettre le silencieux ou pas le silencieux et tout. D'aller demander à des joueurs professionnels à l'époque, tu vois. En leur disant mais tu joues comment? Je me souviens de la réponse de Eaton, bon personne ne doit connaître ici, bon c'est un monstre. Hein. Tu m'avais dit you have to find it in your own way. Tu dois trouver par toi-même. Je me suis dit putain mais quel sombre fils de pute. Et il avait totalement raison. Je trouvais juste des excuses, en fait. De la merde, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune logique dans ce que je fais.
C'est mon entraînement à la con. What? Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus les C4. Ça me fait bizarre de plus les avoir. Ça, c'est quand je commence à en avoir marre après de l'entraînement. Sur ce, je me casse, soyez sages. A plus tard pour Hank, bon courage. Pam 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 pam. J'ai plus du cul, tu vois, ça c'est pas normal. Tu rideau de là, non? Ça, t'es pas très bon, mec, au shotgun. Hein. Ok, bon, bref, on va y aller. Ok, on fait celle-là et on se casse, on va jouer. Mon pote manette bronze qui me demande tout le temps, mais sans si. T'es sans si sur PC. Jouer loin de l'écran, franchement, je sais pas comment on fait. Ouais, loin, bon après ça dépend, c'est quoi loin de l'écran quoi. Ah oui, ça c'est clair que... ça m'est arrivé parfois de me prendre la tête avec des joueurs qui étaient... voilà quoi. Un joueur qui joue en mode... Je dis, mais mec, t'es pas au cinéma là, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, une fois, ouais, ça m'avait un peu vénère. Je lui ai dit, putain, mais fous-toi la gueule dedans, quoi. Let's go, quoi. On les défend. Et t'es là. Aïe, aïe, aïe. Bon, il est pas resté plein longtemps. Rafale, ouais, je sais pas. Je sais pas comment il joue. Et après, les gens sont peut-être habitués à la manette. Voilà, quoi. Mais ouais, mais je vais mourir là-dessus. Je suis con, en fait. Ouais, 2 secondes. Il est en train de désamorcer. Laissez-moi passer. On peut plus les tuer, de toute façon. Ok, let's go. Ok. Merci Adam, en tout cas, pour les 7 mois de frais scolarité payés au sein du campus de l'ASA. Un monstre. Merci beaucoup. Vraiment. Je sais pas de qui c'est. Saka, de qui tu parles. Je suis à 400 de DPI et 9 de sensi. Avant, j'avais une souris éclatée, mais je pouvais pas changer de DPI. Du coup, j'étais à 800 DPI et 20 de sensi. Au début de Rainbow Six, j'ai changé ma souris avec ma nouvelle souris. Et maintenant, je la touche plus du tout. J'ai rien compris. Mais ça avait l'air passionnant, Luna, hein, mais j'ai rien compris du tout. Ok. Il a dû écrire sa phrase en 4 fois. Ah, j'avoue, je comprends rien du tout, quoi. Il a dû changer de souris, en gros, je crois. Ouais, d'accord, et pourquoi il a pas juste dit ça, du coup? Un jour, j'ai changé de souris. Et après, c'était bien. Ouais, une phrase comme ça, quoi. Non, j'ai compris. Right. Non, mais tu vois ce que tu veux dire. Mais souris... Bah, souris, c'est le truc le plus important, quoi. L'avantage, c'est que c'est le truc le plus important et c'est le truc le moins cher, quoi. Après, t'es pas... Voilà, enfin... Le moins cher, c'est comme d'habitude. À partir du moment où, de toute façon, il y a un truc, il y a des niches qui vont se spécialiser en faisant nous, notre souris, à 165 euros. T'inquiète, elle fait le café, mec. Voilà quoi. Elle passe le baccalauréat pour toi, quoi. Non, bon, voilà. Il y a des trucs qui sont de l'ordre d'une trentaine d'euros, qui sont des souris très très bonnes, très très bonnes, qui ont déjà fait leurs preuves et tout. Voilà quoi. Donc ça va. Après, bon, bah ouais, si tu veux claquer du mécanique et tout sur le clavier. Mais bon, le clavier, c'est un peu surfait, je trouve. Voilà, c'est mieux, effectivement, mais c'est surtout bonne souris, bon tapis de souris, je pense, bah, forcément le plus important, quoi. Voilà, quoi. Après, le clavier, bon, faut juste éviter du ghosting, quoi. Mais bon, c'est rare maintenant, le ghosting. Hein, voilà, quoi. En règle générale, ça passe bien, quoi. Voilà. Je n'ai plus que du Logitech pour jouer à Fortnite, trop bien. Vas-y. Mec, t'as 55 ans, tu joues à Fortnite, tu t'es pris pour qui? The Carry ou comment ça se passe? Du ghost quoi? Du ghosting. Le ghosting, c'était le problème des claviers pendant 10 ans. C'est le fait de pas pouvoir appuyer sur plus de 3 touches à la fois. Quoi. À la 4ème touche, ça prenait pas en considération le truc. Mais ça existe plus, je pense. Avant, c'était marqué carrément anti-ghosting sur les claviers. Et maintenant, c'est devenu tellement naturel que je pense pas que ce soit marqué en fait. Razer surcoté pour toi?
Ça dépend. Les souris sont bien, ouais. Ça lance, hein, vous inquiétez pas. Les souris sont bien, ouais. Le, ouais, mais je trouve que ouais, c'est un peu sur Kotax, quoi, Razer. Ouais, tu payes beaucoup la marque pour des trucs, voilà, quoi. Après, bon, les souris, genre Razer, les Death Elite et tout, machin, ça a quand même fait ses preuves, tu vois. C'est les bonnes souris, quoi. Mais bon, c'est clair que si demain je devais rechanger de souris et passer de Logitech à quelque chose d'autre, je partirais pas là-dessus, quoi. Voilà. Ouais, clavier Corsair, c'est la base. Ouais, Corsair, c'est quand même vachement imposé sur le clavier, quoi. Ils ont réussi à aller chercher cette niche en disant on est bon là-dessus, quoi. Je pense qu'ils ont vachement profité du fait que Logitech ait voulu faire ses propres systèmes mécaniques, en fait, avec les J-Roaming. Et comme n'ayant pas trouvé à l'époque de bons comparatifs qui comparaient du Cherry MX versus du J-Roaming, je suis resté sur du Cherry MX pour le coup, quoi. Donc c'est le jour où j'ai switché de Logitech à Corsair. Pour le coup. Mais bon, voilà. Après, je sais pas. Honnêtement, je me suis pas penché plus que ça sur les claviers. Il y a pas mal de streamers maintenant qui sont basés là-dessus, hein, enfin qui en font quasiment leur gagne-pain, quoi. Avec pas mal de tests, etc., etc. Voilà, quoi. Y'a personne sur ce putain de gymnase, hein. Y'a vraiment que des feignasses dans ce campus. Hein? Vous payez des droits de scolarité, c'est pour bouger votre cul, hein. Ah ouais, non, mais c'est pas comme ça que vous allez devenir des professionnels de l'esport. Merde. Alright. Bah on va bannir montagne. On va avoir un double montagne. Apparemment, c'est que en casu, non? Voilà. SteelSeries, je pense que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, honnêtement. En termes de tapis de souris, c'est l'un des meilleurs, honnêtement. Ça coûte que dalle. Et c'est très très bon. C'est eux qui font les QCK+, je crois. Il me semble. Hein. Ou c'est Zoe, je sais plus. Mais c'est pas mal. QCK+, ouais, ça marche très bien. C'est des petits tapis de souris, c'est bien. C'est, voilà, c'est pas overpriced, quoi, ça va. Ensuite, les claviers sont pas mal, apparemment, en termes de rapport qualité-prix, pareil. Bah, si demain j'avais un budget limité, je pense que je m'équiperais pas mal en SteelSeries, ouais. Après, bon, moi en fait, j'aime pas le principe de marque, quoi, tu vois. Je préfère le principe de produit, en fait, tu vois. C'est toujours pareil. Toujours pareil, quoi. Il peut y avoir une série de produits dans une marque qui va être très bonne et une série de produits dans une marque qui va être naze. Je pense que vraiment, c'est... J'ai un peu de mal avec les gens qui vont du coup faire une généralité en disant « Ouais, mais Razer, c'est de la merde !» Une fois, j'ai eu un clavier et c'était de la merde, tu vois. Une fois, j'ai eu un Logitech et il m'a pété dans les bras, tu vois. Alors qu'en fait, c'est le produit qui est pourri, quoi. Regarde. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans l'informatique, on fait pas ce qu'on fait, par exemple, dans les voitures, tu vois. Ah ouais, Amaru. Ah ouais, faut piquer son opérateur, là. Je suis pas en podcast. Ah ouais, je joue, là. We need to locate a bomb. Ah, guys. They're a top floor. Amaru, ici. Amassi ou Rou. On va check là et on va aller. Non, en fait. On s'adapte. On adapte l'opérateur, les amis, à la situation. On va les push les deux. 10 seconds. 5 seconds. Merci infiniment, Karaté Tigré. C'est ça? Nouvel étudiant du campus, bienvenue à toi. Enjoy le charme de la Salty Academy sur Rainbow. Swapping mags! I'm going to scout around.
sais quoi, j'ai envie de faire un truc de merde. You have located a bomb. You must recover the diffuser. The diffuser has been secured. The diffuser is no longer in your possession. Panorix. The diffuser is now secured. I'm reloading. Oh, il est là. Un kill au shotgun de ma life. Let's push, bro. Nice. Je crois que c'est mon premier kill au shotgun, les amis. De toute ma vie. Non, sérieusement. Aïe aïe aïe. Le pauvre. Bah ouais, mais bon, il s'est mal placé en même temps. Merci infiniment, Nizi Sceptique, nouvel étudiant du campus de la Soltier Academy. Alex Sky Blue, nouvel étudiant du campus, bienvenue à vous. Enjoy le charme de la Soltier Academy sur Rainbow Six, guys. Il est beau. Qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y, bah non. De toute façon, vu le level que j'ai. World Champion me fait son premier kill shotgun. Je crois que j'ai jamais fait un kill shotgun. Ah si, si, à l'époque où les shotguns étaient fumés, ça m'arrivait de prendre une frost. Une fois j'ai dû le faire. Une fois j'ai dû le faire. Sur une turtle clubhouse contre Penta, je m'en souviens. C'est marrant, hein, mais tu te souviens de tous les rounds, de tous les kills, de tous les trucs. Le DLSS, c'est quoi? Je sais pas, franchement. Je crois que c'est. En gros, c'est. Il me semble que c'est une technologie qui fait que le jeu apprend. Un peu comme les cookies sur les sites internet, tu vois. Quand tu vas revenir, le jeu apprend un petit peu, il me semble. Et va se dire, ok, j'ai pas besoin de charger ça, ça et ça, parce que j'ai déjà chargé ça, ça et ça. Donc du coup, grâce à l'intelligence artificielle, il va se dire, il va faire en sorte d'être, d'avoir des meilleures performances au fur et à mesure que tu joues au jeu. Quoi. Je crois, franchement, s'il y a des gens qui veulent expliquer. Je suis pas master of the puppet. Que je vois des mecs ne pas tenir ne pas utiliser un can you do something bro I'm gonna oh go sorry I'm so sorry. Nice, you're a monster. I don't, maybe a cave now? Okay, it's okay. I'm gonna try to open the garage. Hop là, on a vu. Il est en haut là-bas. Il est dans le corner. Can you open here, please? Can someone open here? Zofia.
dash sont dégueulasses. 50 sec. 2v2. There is one on top red. Ton micro il est dégueulasse mon gars. Il y en a vraiment en face de moi. Quoique le Kaïd il a rotate. I don't know where they are. We need to push. Garage, come with me. Oh fuck the diffuse. We need to make the kills. Let's push, we don't have the diffuse bro. Un top rouge, forcé, et en face de moi. Allez mais dans ma tête c'était bon tu vois, mais quand t'as zéro aim mon gars. Ah bah ils sont nuls. Et quand tu... Eh le Kaïd, je sais pas ce qu'il a hein. Je pense que c'est le même Kaïd que sur consulat hier. Pour moi je le give up parce qu'il est mort quoi. Pour moi il est tellement mort tu vois, c'est bon. Je m'arrache. Putain, j'ai halluciné sur ce push consulat sur Kaïd hier. Je sais pas si vous en rappelez au niveau de la box quoi. Le diffuse, ouais bah fallait faire les kills, mais ils sont pas... Voilà quoi. Après ils pouvaient pas savoir que le diffuse était dehors, donc on aurait pu jouer là-dessus. C'est ça le truc. Quand t'as pas le diffuse, faut aussi savoir est-ce que eux ont la formation que t'as pas le diffuse. Ils pouvaient pas avoir la formation qu'on avait pas le diffuse. Donc tu peux toujours les pusher en fait. Tu peux très bien les faker en te posant sur le site quoi. Rares sont les personnes qui vont se dire ok, on attend jusqu'à ce qu'ils plantent. Parce qu'il y a quand même une possibilité que les mecs n'aient pas le diffuse. C'est rare quand même. Trop rapide des moves, le joueur arrive pas dessus. Ouais, je crois pas non. Je crois que c'est juste parce que j'ai tout mis dans les nichons de Kaïd, mon gars. Il a tout pris dans les boobs. C'est pas sur la tête. On aim plus de ce boob. Oh merde, ils peuvent être là. There's maybe one top red or one blue. Qui arrive là, qui va se mettre à la porte ici. Oh, je suis tellement pas sur sa tête de toute façon. What? Ok. Sponsor. Bientôt les 2 ans 6-4 LOVE. Comment je peux avoir un assist? Ouais, y'a peut-être une balle qui est partie dans le. 2 secondes. Impossible, hein, mais décale plus du boom. Hein. Bomb has been located. Vas-y, on va y aller sans droner pour leur donner une chance en face. Loading new magazine. Un mec qui peut le mettre dirt. Ouais, décale toi. Stun grenade out. I can't hear you, man. Like, where are you playing from, Mars or something? Bait, flash, kill. Bait, flash, kill. Oh merde, il est pas là.
Donc là, il m'attend dans la ligne à gauche. Et il va décaler. Forcément. Il pouvait pas être ailleurs. Merci Lolo pour les 20 mois de frais de scolarité. Et il a cru que j'allais me décaler, t'sais. Ouais, bah non, en fait. J'ai 2 HP, mais. Ah, ils sont pas ouf, ils sont pas ouf. L'autre, je sais pas ce qu'il a fait là, Al-Qaïd est en train de rester dans le coin là. Je sais pas ce qu'il qu'il était au niveau du. Au coin. Au coin, le bonhomme. Le médic qui rush. On l'a même pas entendu se heal, ça y est, il s'est dit, oh, vas-y, nique sa mère, même pas un petit picou, tu vois. Enfin, je me stuff un peu. Non, que dalle. Ouais. Ça manque parfois la compète. Secure the bombs. Irrespectueux 6-4. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, même pas. Donc, vu le niveau, on va tout renforcer. Non, c'est le Kaïd qui a fait de mal. I'm going to make a rotation. Can you reinforce here, Yeager? C'est les Américains, ça. Can you reinforce here, Yeager? What? Bomb locations are yeah, I got another one. What do you want? Nico Mini, can you buy another like mic or thing? Or stop talking because like it's terrible. He rushed red stairs. I'm reloading. On site. Oh, he's dead. Has been located by op 4. Aïe aïe aïe. C'est full monkey. Hein. There's a drone in garage. You're pushing garage. One on ping. In the stairs already. In the garage. Pushing garage on the catwalk. On ping. It's Zofia. Oh les mecs. Je me disais, les calls ils sont. Comme 40. Normalement, je comprends pas pourquoi je les entends si mal. One friendly remaining. One friendly. La la la. Il a dit Mayday, Mayday. C'est ce qu'il a dit? Non. Le mec dans son micro, il parle en morse, va savoir. Non mais sérieusement, c'est horrible. Wait, depuis quand il y a cette petite lumière là? Le petit pole dance là. Pourquoi j'ai jamais remarqué ça avant? Que c'était aussi bright. We can take turret. Hein. Allez, bi, bi, bi. Les mecs qui saturent, c'est horrible. Secure the area. Keep the bombs ouais, surtout protected. Que maintenant, t'as quand même... Je sens que je vais mourir. Je sens que je vais faire kill. Located bomb. Be ready for assault.
Oh, good boy. Shield here. Adding my plus one. Neo. Alba. Yeah. Okay. 10 seconds remaining. Can you make a hole here? 5 seconds. Qu'est-ce qu'il raconte ce trou de cul? Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. C'est bien fait pour ma gueule. Ah, il me faut du deathmatch. J'aimerais du deathmatch, les amis. one pushing already on sing, on ping. One on ping in the garage. Nice. There is one pushing garage now on ping. In the stairs. Reload. Already top catwalk. Impact, impact. Op 4 has located a bomb. Critical bomb diffuser activated. Diffuser located. Check the bomb. Disable the diffuser. One friendly remaining. All friendlies were eliminated. Mission failure. Oh la vache. Oh la. Ah, Mexican boy est parti. We can go basement, maybe? J'essaie de rester poli, après je les insulte. En même temps, j'ai fait de la merde sur mon round, j'aurais pu renforcer les murs garage. Là, jouer safe. Tu dois être trop bien avec une Thunderbird top catwalk garage. Non. Vas-y, je vais prendre ça, je vais m'amuser. Un aim tapper. Non mais sérieusement, juste et même et ne pas penser à le finir avec une impact. Je sais pas, ça me paraît. Vas-y, on va tout renforcer. Bon, j'ai hâte d'être à vendredi. Je sais pas vous. Par contre, faire du escape from tarkov, c'est pas très du poulet. C'est pas prévu. Il n'y avait pas grand chose sur le dernier truc. Il y a trop de trucs qui m'ont frustré dans le jeu. Vraiment, il y a des trucs. Faudrait que j'y joue constamment et c'est pas ce que les gens attendent. Donc voilà. Merde, je sais pas, j'aurais pu aller faire un pic là. Ça passe pas. Il va forcément spawn là en plus. J'en suis sûr. Bomb location secure. Oula. Swapping mag. Opening the kitchen. Non, mais t'as rien à voir. C'est bruit. One top stairs red. Main stairs. One in garage. Op 4 located a bomb. Protect it. Menaced. Le drone zéro. C'est de la chasse au terreau. Ils vont mettre à la thermite. Bon, ce truc est ouvert ou pas? One drone coming from kitchen. One went here on ping. Already on site pushing church. Op 4 found a bomb. You must defend it. Last op standing.
Mais j'étais là, bon. Pas du tout là où je pensais. You're a monster, man! You're a god in this game, are you King George? Are you King George? King George is the best. Well, that's the retard with a hat. Well, he's also a world champion. Yeah, but he's a retard with a hat, just like Summit. Like, you mean like every people with hats are what you said? Yeah, it looks stupid with those hats. Well, I got the hat. We need to locate a bomb. Oh, are, you, are you streaming? Yeah. Well, then you're one of them. So I'm stupid. What's your Twitch? Yeah. I'm not on Twitch, I'm on Pornhub. Oh, then that's fine. Okay. To insertion. 5 seconds to insertion. Where are they? Top? A bomb must be located and defused. Évidemment. Tire, c'est bon. Ah putain, il renforcé en plus, mec. You're gonna open that? Ah, vas-y, open, mec. Mais s'il te plaît, monte en rappel avant. Oh, here, thermite. That's great here. No? Okay. Where are you gonna use yours then? Well, because it's better for me to open T1 with Ibana now. And you, it's easy here. There will be no bench. Serious drywall work coming up. You might want to buy a hat. Faudrait peut-être que t'achètes une casquette aussi. Parce que t'es complètement con, mon gars! Knock, knock, knocking on heaven's door! Tiens, allez, prends tout ça dans le sens, c'est que de la merde de toute façon. J'ai pas envie de droner, j'ai envie d'étendre ce match. Non, j'arrête. Nice, you're a monster, man. You must recover the diffuser. Oh, there's a fucking shield in the middle of the sun, he's behind. Twitch, jump in on the left side of the Rex. Cash box. Reloading. Flashbang. Top four last operator standing. You guys are monsters. Top four eliminated. Friendly mission successful. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là, mais quel monstre. Ah, puis j'adore les gens qui viennent d'utiliser 10 balles dans un chargeur de 30 balles et qui switchent sur leur pistolet. Non, c'est pas vrai. Et Unitis Royal, quelle heure vendredi? Je pense que ça commencera comme hier. Vers 15h? Oui. Vers 15h, ça me paraît pas mal. Vers 15h. Ça va être sympa. Moi, j'ai hâte, franchement. J'ai hâte. Merci Lolo pour les 20 mois de frais de scolarité. Nizi, merci pour le fait d'être un nouvel étudiant en campus. Vous êtes des monstres, vraiment. On est où là? Ouais, déjà un. Oh putain. Protect the bombs. Comment tu veux organiser les matchs avec 5 équipes? T'inquiète pas pour nous, il n'y a pas 5 équipes, parce que c'est l'important, c'est les joueurs. C'est plus les mêmes équipes en fait. On les fait se croiser, donc on peut faire à peu près ce qu'on veut en fait. Après, tout le monde n'aura pas forcément le même nombre de games, mais il y aura au moins il y aura beaucoup de games. Le jeu, c'est qu'il y ait beaucoup de games. Parce que plus il y a de games et plus il y a de stats, et plus c'est sympa. Quoi. Ouais, ils sont nuls, on va prendre le dos. 10
seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds to insert. Mm-hmm. Bomb locations are secure. Yeah, okay, but you can do it quietly, man. Okay. Je sens que ce truc va marcher, vous pensez quoi? Yeah, on peut juste en... Ready for combat. Located by Op 4. Ouais, je suis pas concentré, je vais le rater du coup. Mettre voilà, meilleur endroit pour mettre un frost. What's top tier red? Okay, I'm gonna take. What do you sound red? I'm taking. Oh, mais les dalles sont longues. C'est ouf. There's a Maverick here. Mavericking. He's the Maverick again. On T1. Oh, vas-y, refais-le ton ta petit truc là. Non, top. Downstairs, red stairs. It's an ash. Be careful, the wall is soft now. So they can open it. Deploying. So Maverick is still on T1. On ping. Yeah, I can see him. And the other one is like window CCTV, I think. I'm not sure. Okay, Maverick is rotating. Yeah, he's on the roof now. So there is no 1T1. He might be CCTV window, I don't know about the other one. Droning CCTV. Be advised, Op 4 has located a bomb. CCTV construction. One op nice. Four he's in the window. From the other side, Lego. He's pushing from A door. On A. Pushing you. On ping. He doesn't have the defuse. He does have the defuse. You can go. You can go. Go for it. Nice, bro. Four eliminated. GG, guys. Have a nice day. C'était des plombs, mais je leur ai fait des communications de ouf. Mon gars. Des ouf. Hein? Ah. En toute modestie, dis-moi des choses que j'ignore. Oh putain, la vache. Je te ferai la liste des ingrédients. Un petit tiramisu des familles. Ah, mais franchement, mais tiramisu, c'est tellement le c'est le dessert le plus surcoté du monde. Non, mais sérieusement, il y a genre 600 000 desserts qui sont meilleurs que le tiramisu, quoi. Le tiramisu, on dirait du... On dirait du foutre au café. Ah, désolé. Ah non, ou du caca de mouette. Un truc dégueulasse, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est... Enfin, après, bon. Voilà. Du vomi. C'est dégueulasse. Il n'y a rien de meilleur qu'une tarte au citron meringuée, de toute façon. Éclair au chocolat, c'est les meilleurs pour moi. On dit un chocotube, en revanche. Merci infiniment du MOOC pour les 2 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solty Academy. Ah, mon poulet, vraiment. On dit pas un éclair au chocolat, on dit un chocotube. Les flans existent. Tarte au citron meringué. Déjà, tarte au citron meringué, il n'y a rien au-dessus. Ensuite, en dessous, il y a la tarte au citron normale. Crème brûlée, quand elle est bien faite, là. Tu vois? Tu sais, quand t'es avec ta petite cuillère, là, et que t'es obligé de casser le truc au-dessus, là. Clac, 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 tu vois? Tu sais, comme la banquise, quoi. Il n'a jamais goûté un bon tiramisu. Non, bah non. Non, bah non. C'est toujours pareil, quoi. Il n'a jamais goûté un bon tiramisu. Bien sûr que j'ai goûté à des bons tiramisu, quoi.
Mais le problème, voilà, c'est que c'est pas si ouf que ça, honnêtement. Pour moi, franchement, un tiramisu, je le mets dans le même tiers qu'un millefeuille, tu vois. Qu'un Paris-Brest, quoi, tu vois. Franchement, même une bonne tarte aux fraises. Une bonne tarte aux fraises, honnêtement. Voilà, quoi. Non, mais Paris-Brest, sérieux, on dirait du caca, en fait. On dirait juste un mec qui a eu la diarrhée et il s'est dit, tiens, je vais faire un truc qui ressemble à... Bah, à ça, quoi, en fait. Non, mais sérieusement, c'est dégueulasse. Merci Bebou Bey pour les 11 mois de frescolarité. Merci. Crêpe caramel. Mais bien sûr, mais les crêpes, de toute façon, ça, c'est le truc. Tout ce qui vient de Bretagne, de toute façon, c'est le truc de beau gosse. Bien sûr. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Crêpe caramel, beurre salé. Avec du sel, avec du sel de Guérande. Ah oui, caramel au beurre de sel de Guérande. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Voilà, quoi. Même un kouign-amann, je pense que c'est meilleur que ton tiramisu dégueulasse. Là. C'est tellement surcoté, le tiramisu. Une bonne mousse au chocolat avec des petits morceaux à l'intérieur. Là. Ah, si, si. Et voilà, là, on vient de perdre tout le monde. Ils sont tous partis bouffer les coups. Forêt noire, ouais, ça va, c'est OK, tiers. Voilà, là, je suis d'accord. Bah ouais, normal. Non, mais sérieusement, le tiramisu, si vous y pensez bien, il y a eu une espèce d'effet de mode. Et tout le monde, dès qu'on a pensé dessert, on a pensé tiramisu. Mais il y a quand même plein de desserts qui sont bien au-dessus du tiramisu, franchement. J'ai faim, ouais, désolé. Ah ouais, ça, c'est... moi aussi, ça me donne la dalle, là. Petite tarte au citron, quoi. Une poutine. J'ai jamais goûté de poutine. Ouais, je suis resté un mois au Québec, j'ai jamais mangé une poutine, quoi. J'ai vu le truc, j'ai fait, ah d'accord, ok, bon, bah, non, c'est mort. J'ai regardé le truc, j'ai pris 6 kilos. Un petit crumble aux pommes. Oh là 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 là. Une petite tarte tatin. Tarte tatin avec un peu de cannelle. Un tout petit peu de cannelle, ok. Et à côté, crème fouettée, boule de vanille. Même les glaces, c'est meilleur qu'une tiramisu. Un banana split, c'est au-dessus d'un tiramisu, honnêtement. Non, mais voilà. C'est tout. Tarte au citron, c'est des tiers. What? D'où tarte au citron, c'est des tiers. C'est S plus tiers, mon gars. Il n'y a rien au-dessus de la tarte au citron. Tarte aux abricots maison. Mais toutes les tartes, de toute façon, tiramisu, poire, chocolat. Mais tiramisu, poire, chocolat. T'es obligé de le dénaturer totalement. C'est comme si, je sais pas moi, tiramisu, poire, chocolat, quoi. Enfin, non, non. Non, mais crêpe. Eh, crêpe autrement. Crêpe Nutella banane. Avec un peu de rhum. Merde, je sais plus comment. Flambé. Oh oui, si, si. Banane flambée dans une crêpe Nutella avec un peu de chantilly. Alors là, voilà quoi. Cheesecake, pareil, même un cheesecake, un bon cheesecake, sérieusement, c'est genre tellement au-dessus d'un tiramisu. Le tiramisu, c'est le détiers moins, quoi. Tarte au citron, c'est ignoble, Siskat, je te le dis. What? Mais vous avez zéro goût, quoi. Du riz gluant, lait de coco et mangue. Oh, ça, c'est trop bon. Ah, si, ça, c'est trop bon, mec. Meuf, pardon. Désolé pour moi. Ah, si. Tiramisu caramel au beurre salé. Non, mais ça, c'est plus du tiramisu, du coup, mec. Voilà, quoi. Une bonne biscotte. une bonne biscotte. Ok, j'arrive plus à parler. Merci, en tout cas, pour les frais de scolarité payés au sein du campus. Vous êtes des monstres, vraiment. Ça me touche énormément. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Jouer, hein? Non, on voulait faire un truc exceptionnel avant. Ah bah non, je pensais que j'avais des packs, mais j'ai rien du tout, en fait. Ouais, non. Roll palette d'Oberman, ceux qui aiment pas la tarte au citron. Mais grave, sérieusement. Non, mais sérieusement. Tiramisu au spéculoos, god tier. Ouais, d'accord, mais bon. T'as pas de palais, un tiramisu, c'est incroyable. Mais bien sûr que si, que j'ai un palais, mon gars. Et j'ai même des dents, en fait. Hein. Du coup, je vais pas manger un truc de vieux, quoi. Tu le prends à la paille, ton truc, ou quoi? Ah, c'est dégueulasse, sérieux. Aïe, 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 aïe. Franchement. Ah non, c'est... Ça se mange, tu vois, là. Et puis avec le coco, là, qui t'arrive dans les poumons, là. Putain. Les profiteroles au chocolat. Ouais, profiteroles au chocolat, ça va. C'est pas non plus... c'est vite... voilà, quoi. Tiramisu Oreo. Non, mais d'accord. Banana split, ben voilà. Non, mais les meilleures glaces, autrement. Eh, la petite glace, je sais pas si vous avez déjà goûté celle-là. La petite glace, vanille. Vanille, sans parler des Agendas et des Ben & Jerry's, quoi, tu vois. Mais glace, vanille, rhum raisin. C'est des raisins qui ont du goût de rhum. Imbibé de rhum.
C'est genre trop bon, en fait. C'est trop, trop bon. J'aime pas le rhum. Bah, figure-toi qu'à l'époque où j'en mangeais, je devais avoir 10 ans, tu vois. Donc, de facto, même si, bon, breton, voilà, je buvais pas beaucoup d'alcool, voire pas, en fait, tu vois. Mais j'aimais quand même ça. Tiramisu, pot-au-feu, miam. Mais les mecs, c'est clair, depuis tout à l'heure, ils sont en train de sortir des noms de tiramisu, tu sais, qui dénaturent totalement le truc, quoi. McFlurry, Kit Kat, caramel. Ouais, mais bon, c'est... Ouais, mais... Ouais, ok. Non, McFlurry au Dain. Je sais pas si ça existe encore, quoi. À l'époque où j'étais un gros et que j'allais tout le temps à McDo. Voilà. McFlurry au Dain, c'est bien, ça. C'est ignoble, ta glace 6-4. Ignoble ? Mais non, mais vous avez, no... vous avez des palais d'escargots, mec. Ben & Jerry's ou Agendas ? Ben & Jerry's, all the way. Ben & Jerry's, strawberry cheesecake. Ah ouais. Et puis je vous dis ça comme si je l'en bouffais souvent. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a 8 ans, quoi. Ah, je mange plus ça, moi, c'est fini. C'est fini. Tu peux pas avoir un corps de cyberathlète et bouffer ça, hein, c'est mort. Un breton qui ne boit pas d'alcool, c'est des fonds bretons comme les Nantais, quoi. Ouais, bien sûr. Les glaces nuit, c'est excellent, mais elle est chère. Nuit, N-U-I-I, jamais vu. Ben & Jerry's, on est d'accord. Ouais, la petite cookies aussi, elle est trop bonne. Ah, mais ça faut pas m'en parler, moi. Moi, c'est mort. Ça, il y a un moment où j'ai rayé ça de ma vie, quoi. Non, mais sérieusement, il y a des trucs... maintenant, voilà, ça me fait plus mal, quoi. Mais il y avait des moments où tu sentais l'addiction dans les magasins quand t'allais faire tes courses, tu vois. Tu passais à côté d'un truc, tu disais... Ne pas, voilà. Maintenant, c'est bon, quoi. C'est devenu une habitude, quoi. C'est plus jamais ce genre de truc. Agendas Macadamia. C'est vrai que Macadamia, c'est vraiment... voilà, quoi. Mais franchement, mais quand t'as terminé le pot, on est d'accord, après, t'as envie d'aller te confesser, tu vois. Non ? Ah, je me sens mal, moi, en fait. Je me sens pas bien, en fait. Après, je me dis, putain, c'est... Voilà, quoi. Fair and square. But, like, I whiffed, like, the first 20 bullets. And then I stopped firing and I stood up and killed you. Hi guys. T'as quel âge? What you say to me, Barco? You will talk when you talk to, boy. All right, Lord. Mante copeau de chocolat, meilleure glace. Anyway, so good save. C'est vrai que c'était cool. Good game. I was kind of bad at. Ça j'aime bien aussi. You got a 3v5, but it is what it is. Se cacher des pizzas à 3 euros là. Ouais, mais ça je l'ai fait. Attends, on a tous été. Enfin, moi je suis. Voilà, c'est étudiant. Quoi. Voilà quoi. À prendre les pizzas Sodebo là. Ça arrive. Aïe aïe aïe. Trop de pression. Ouais, non, clairement. Si t'aimes les tartes au citron, t'as un gars qui aime la mangue, c'est sûr. Bien sûr, la mangue c'est trop bon. Non, mais la mangue, franchement, mûr, pas mûr, dans tout, tu vois. Séché. Ouais, la mangue séchée. Enfin, oh là là, c'est trop bon, franchement. La mangue, c'est trop bon. La mangue, c'est estière. Maintenant, t'es proviseur, quoi. Eh ouais. Est-ce que tu comptes un jour former un G5 pour essayer de monter haut dans les grades? Je trouve que ça nous permettrait de nous voir, d'apprendre plus sur ta vision du jeu et des astuces que nous arrivons pour voir. Mais de quoi? Oui, de par les expériences de joueurs pro. Bah, joueur pro et monter dans les grades, c'est deux choses totalement différentes, quoi. Ah ouais. Joueur pro, ça se passe en custom. Ranked, là, voilà, quoi. Les bons joueurs de ranked sont des ranked hero, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, quand même. Hein, tu peux très bien être nul en ranked et... Enfin, pas nul en ranked, mais pas exceptionnel en ranked et être un bon joueur pro et vice-versa, je pense. Donc ça prouverait rien du tout, quoi. À l'heure actuelle, c'est pas possible. Bien sûr que non. Non. Ça a déjà été tenté par le passé. L'état du jeu est absolument dégueulasse. C'est mort. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand le jeu ira mieux, pourquoi pas. Pourquoi pas, je dis pas oui, hein. Secure.
Ah ouais, ils ont dit quoi, Kuro? Envoie-le-moi sur Discord. Sur BF242. Okay. Located a bomb. Get ready to engage. Julia is on. Spotted. You better. On se fait chier. You get off cam so I can see in this guy. Julia. Le bug, il est par où? Qu'est-ce que je vois, il y avait un visile là, non pas. There's one in aquarium, I think, but I'm not sure. Les attaquants. On site, bro, B site. Oh là là! Oh, c'était dégueulasse! J'ai fait le même tir que le vigile tout à l'heure sur eux. Ah, j'ai honte. J'ai honte! Partout. Hello. J'espère que je suis banni, hein. Parce que mon comportement a été absolument inadmissible. 4 jours de ban là-dessus. Et pourquoi tu repars pas en... Ouais, bah voilà, tu l'as ta réponse. God damn it. Elle est bien le jeu, c'est chaud quand même. Hein. Mon shoot était si affreux que ça a fait quitter la game. Ouais, c'est possible. Mais je crois que j'ai jamais succès autant sur une... Mon dieu, c'était dégueulasse. C'est normal, c'est la bêta. Vivement la release, hein, franchement. Optimisation, attention, ça relance. Hein. Optimizing shaders. Ouais, ouais, bah optimise, mon gars, optimise, vas-y. Hein. Pourquoi ça me met des bandes noires, en revanche, hein? Est-ce que je vais pouvoir en relancer? Je ne sais pas. Ça arrive. Anyway. Bam. Bam bam.
Ouais, c'est mieux les custom games quand même. Hein. Reconnect. Ah, je peux me reconnecter. Donc ça venait de moi. Seriously? Did you disconnect too? Ah, je peux pas parler. Op 4 has located a bomb. Did you have a crash? Ça a changé Ivana quand même. Mec, je peux pas appuyer sur les boutons. Je comprends plus. Non, non, en Vulcan, tu relances les jeux 4-5 fois par jour. Ah ouais? Ça marche mieux en normal? Bah, moi, ça bug pas tant que ça, quoi. Mais pas des crashs, y en a, mais bon, c'est pas non plus. One is a DBNO. Yeah. Op 4, last stop standing. DirectX, j'ai zéro crash. Après, j'ai mis le. Je sais pas. Non, je crois que c'est le site. En plus, j'ai fait la mise à jour des drivers à Nvidia il y a pas longtemps, pardon. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Hein. Le jeu vient de sortir, c'est normal. Ah, sérieux, je te jure. Il sera jamais fini quoi, c'est ça qui est ouf. Il sera jamais top. La différence entre Vulcan et classique. Ouais, je sais, je suis en retard sur ce point. Test en fait. Le meilleur moyen c'est de tester. Hein. Ah, ok, lui il en avait marre. Tout va bien. Ah non, il a peut-être déco. Comme moi tout à l'heure. La CG est optimisée pour Vulcan, il n'y a que sur R6 que je ne peux pas en Vulcan sans crash. C'est propre ça. Ah, il est revenu. Ok. Il a pas de res, il est reparti, c'est clair. Ok, bah visiblement ils n'ont pas eu leur crash vu le nombre de kills. Did you crash as well? No? Sorry, what? Did you crash? Like, did your game like crash close? Non. Ok. Ok, bon, j'étais le seul. Super, je suis trop content. Heureusement, j'ai pu me reconnecter. Je sais pas pourquoi je vais prendre quelques temps. Non, il a livre pour le cadet. Non, mais pas lui, tu vois, l'autre. L'autre, quoi. Ah, je veux dire, avant, quand moi je suis parti, est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient quitté, quoi. Ah, bref, on s'en fout. Allez, let's go. Anyway. Secure the area. Keep anyway. The bombs protected. Pourquoi on a pris là, les. Ils sont totaux ou quoi? Comment ça se passe? Ça venait de toi du coup? Non, je pense pas. Hein. Ça peut être parce que t'as fait un move avant de mourir ou une connerie comme ça. Pas forcément. Hein. 5 seconds and counting. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Doorway trapped. Located a bomb. Stay clear of blast zone. J'ai envie de balancer un C4 de... C'est ouf d'être aussi nul à chier, mon gars! Maria!
J'aimerais bien que c'est un bras qu'on voyait là. Pourquoi ils ont renforcé là? C'est quoi ces renforts de photo? God damn it. Bon, ils font quoi les autres totos là? L'autre il est là-bas. Coucou! Ils font rien, c'est bon. Bah c'est parfait pour se remettre dans le bain, n'empêche. Ah forcément. Wow, il a sorti son, le brain de l'année lui. Avec le viseur de l'année. Cap 0 salaud. Là il me faut du deathmatch là. Quel last operator standing. 15 seconds left. Mm-hmm. 10 seconds left. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que tu, si tu voulais tu redeviens pro, tu auras un niveau avec de l'entraînement, ce serait inaccessible? Bah il faudrait se remettre dedans déjà. Tu vois? Mais la question c'est pas de savoir si je pense que je peux. La question c'est est-ce que je veux. Quand on veut, on peut. Moi je veux pas. Après, ça sera pas évident, bien sûr. Hein. Mais bon, tout est faisable. Alors, mais ça nécessiterait quasiment une année, je pense, pour se remettre au niveau. Ouais, quasiment une année. Hein. Mais non, non, devenir pro sur le jeu à l'heure actuelle, ça... Je peux pas être créateur de contenu et pro, c'est pas possible. De ma vision des choses. One more salty fan. We need to locate a bomb. Il y a pas mal de réponses à vos questions que vous trouverez sur .exclamation YT, les amis. Sur YouTube. Ya 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 ya. Un an de prac tous les jours, ça prend beaucoup de temps. Ah non, je te parle d'un an de full time. Hein. Prac, c'est rien du tout. Prac, c'est 3 heures par soir. Hein. Là, faut rajouter la ranquette, le machin, le truc, du classique. Ouais, c'est plutôt 6-7 heures par jour pendant un an. Ouais. 6 jours par semaine. Et là, on pourra discuter. Hein. 5 seconds to go. You must locate and defuse the bomb. Alright, let's go, guys. Where are they? Oh, putain, je les ai montés. Je les ai mutés, mais ils doivent être billards. Ouais. Là, lui, mec. Comment veux-tu que j'anticipe le fait que ce mec soit là? Ah, ça a marché. Putain, parce que je voyais pas le truc. Bon, on push comme des taux. Contact castle. Intéressant. Inintéressant.
Let's go. Aïe 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 aïe. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir, faudrait qu'ils nous sortent un truc assez sexy quoi. Putain, c'est la première fois que je vois un jackal avec sa main weapon avec un silencieux, putain la canne à pêche le truc quoi. Tu les as mis de six, ouais je sais. Mais ils peuvent m'entendre quand même. C'est moi, tout le monde commence à délaisser petit à petit le jeu depuis un an. Non, bah non, il y en a qui restent dessus quand même. Alright. 24 pouces plutôt je pense. Ok, oh putain la vache. Attends, on a chopé un petit pack. On a chopé un petit pack les amis. Petite prédiction sur le pack. Oui. Let's go guys, on passe dans le bureau. Yes. Quelle couleur! Les amis, ceux qui veulent se refaire avec la thune de la Salty Academy, la Salty Money, quelle couleur? Les prédictions, hein, répondez pas dans le chat. Aïe aïe aïe. Les prédictions, va falloir utiliser votre Salty Money, guys. Ah ouais, forcément, on n'a rien sans rien dans la vie. Que voulez-vous? C'est parti. Les prédictions, elles ont bugué? Oh, j'ai eu peur. Prédiction en haut du chat, les amis. Moi, je sens que ça va être du légendaire. Je vous le dis, c'est légendaire ça. Ça va être complètement légendaire. On prie pour du bleu. Aïe, 34 lâchés. Oh, 34, ça va. C'est quoi le max? Ah non, je crois que tu peux pas faire plus de 20k, 30k ou 150k, je sais plus. Casque pour Fuse Spotted. Ok. 3, 2, 1. Ça, c'est légendaire. Allez, hop, bam. Oh, je suis tellement content. La 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 la. Allez, tac. 250k max. Bam. Yes. Easy peasy lemon squeezy. Et je dis que c'est un chibi de merde. Fashionable Chaos. Ok, je prends. Je prends. Ça va, elle est pas mal, honnêtement. Ça va, plus 140k dans la poche, plus 30k, merci. 250k, allez, bam, bam, bam. Trop beau, je l'ai. Ouais, elle est pas trop mal, honnêtement. Defender. Le plus beau, ça reste Capcom, comme ça. C'est le plus beau de tout, ça. Là, là, il y a le parfait. Il n'y a rien à dire. Là, c'est le best of the best. Elle est où, elle? Où est-ce qu'elle est là? Ouais, c'est vrai que en mode jambon de Bayonne, elle était pas, c'était pas la meilleure quand même. Loadout. Non, attends. Headgear. Ah non, c'est juste un uniforme. Je sais pas. Autant pour moi. Attends, mais il est où? Ah, il est là. Ok. Oh, cette tronche. Oh, cette tête. Oh la vache. Et loadout, j'ai rien dessus. J'ai vraiment aucun skin sur cette arme là, je crois. Bah, on va laisser le bout de viande. Hein. Ça doit être le mieux, honnêtement. J'ai rien sur le scorpion. Le Capcom est insane. C'est quoi le nom du skin? Le skin de l'arme, c'est. C'est le glacier, celui-là. Après, le headgear, c'est celui-là. Le Grim Harbinger. C'était dans le truc de c'était le truc Halloween de l'année dernière. La tranche du perso. Ouais, ouais. Compensateur pour Ella. Je la joue pas, mec. Je la joue zéro. Et ensuite, là, c'est Dead of Night. Et le combo est parfait. Le combo est genre parfait. C'est le plus bel opérateur. Et je l'aime trop. Je l'aime trop. Anyway.
Avec le petit glacier, tout va bien. Alright? Bon, du coup, let's go, guys. Silencieux pour Valky. Ah ouais? Histoire de mettre des petits pruneaux là. Et là, zéro recul maintenant. Zéro recul et là? Ok, vas-y, attends. Pendant qu'on cherche, je vais mettre défendeur. Je vais faire ça. Flash Hider, du coup? On claque un Flash Hider là-dessus? J'avais déjà le Flash Hider. Flash Hider sur Ella ou pas? Le truc mouche là, je sais plus comment ça s'appelle moi. Compensateur ou pas? Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Compensateur pour Ella, ok. Ok, on verra. Ouais, franchement, je vais tester, hein, si vous voulez. Hein. Mais c'est pas du tout mon style de... En vrai, c'est pas du tout mon style normalement de... J'aime pas ce perso. Enfin, quand le scorpion était pété, c'était vraiment agréable à jouer et tout. Mais après, en fait, c'est un recoil. Enfin, je sais pas s'ils l'ont retouché ou pas. On verra bien. Mais c'est un recoil qui ressemblait trop à SMG, quoi. Trop de kick horizontal, je trouvais. Quoi. Dès qu'il y a du kick horizontal, moi, j'ai vraiment du mal, quoi. J'aime pas du tout, au final. Faut mettre cache flamme, pas compensateur. Elle avait déjà un flash hider. Et la dernière fois que je l'utilisais, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, quoi. Ceux qui prennent compensateur n'ont pas compris les reculs. Bah, en toute logique, normalement, ça devrait plutôt être le flash hider sur elle, puisqu'elle a un kick horizontal. Alors que le compensateur est là pour un kick vertical. C'est naze, n'empêche. Hein. Faudra vraiment qu'ils changent leur système, quand même. Hein. Ou l'explication qui l'accompagne, en fait. Quoi. Vraiment, ça ajoute pas grand-chose, au final, en plus. Enfin, je sais pas. Ouais, mais il est facile à gérer. Ah ouais? C'est pas clair quand tu commences. Ah non, sérieusement, je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui soient machin, quoi. Mais c'est surtout qu'en plus, ça a énormément changé, quoi. Avant, c'était pas comme ça, quoi, tu vois. Avant, c'était pas du tout comme ça, quoi. Donc, c'est depuis peu qu'ils ont voulu faciliter les choses en disant compensateur égale vertical, flash hider égale horizontal, quoi. Alors, tu te dis déjà pourquoi ça s'appelle flash hider dans ce cas-là. Mais bon, voilà, quoi. Au pire, tu prends le pompe, il est plutôt pas mal. Ouais, tu m'étonnes. Après, c'est un gameplay particulier. Le truc du pompe, c'est que c'est pas difficile, en fait. C'est juste d'avoir des placements de ouf, en fait. Quoi. Moi, il m'impressionne, hein, franchement, les gens qui jouent pompe, etc. On a vu de belles actions avec des smokes, etc. hier. Je trouve ça trop sexy. Hein. Moi, je supporte pas. C'est ce truc où... Bah, le but du jeu, c'est en fait de faire venir les gens à toi parce qu'ils ont compris que t'avais un shotgun, quoi. Donc, c'est de faire en sorte de jouer avec le temps, de... Bon, après, souvent, t'es accompagné d'une petite SMG, donc tu peux quand même faire des pics, quoi. Mais c'est pas le genre de truc sur lequel tu vas taper des grosses lignes de ouf, quoi. Moi, c'est pas du tout mon style de gameplay. Le cache-flamme a deux points positifs, alors que le compensateur n'en a qu'un, le recul. Mais je sais pas si le cache-flamme cache toujours la flamme comme avant. Et ça enlève, du coup, le comment on appelle ça, le shoot marker, là. Ça arrive, hein, mais bon, 3 minutes pour chercher. Je sais pas si ça le fait toujours. Pour moi, c'est moins utile. Ah ouais? On avait caché la flamme sur Rainbow Six, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien de cacher la flamme sur Rainbow Six. En revanche, c'était pour savoir si ça faisait comme à un moment avec le silencieux, à savoir ça t'enlève le shoot marker blanc. Là. C'était ça au début que ça faisait. Mais ça, c'était chambé pour le coup. Surtout avec Echo, quoi. Moi, je le faisais énormément, en fait. Je sais pas s'ils l'ont enlevé, laissé, ça, je me suis même pas renseigné. Ça m'a tellement saoulé quand ils l'ont changé, j'ai fait, vas-y, allez. Fuck it. Clubhouse, encore. Ouais, super. Let's go. Bon, n'oubliez pas d'être là samedi. Samedi, putain, qu'est-ce que je raconte? Vendredi pour le Valo Royal. Vas-y, laissez tomber. Ça sert plus à rien. Je n'arrive plus à parler, en fait. C'est parce que je manque d'eau, ça. Je le sais. Faut que je m'hydrate. Mon cerveau me parle, il me dit... Faut que tu boives.
Vendredi, 15h. Voilà, soyez là. C'est tout. 14h même. Ok, qu'on fasse les stats, les trucs avant. Qu'on fasse la préparation et tout. Ça va être cool. Ça va être cool. Deuxième jour du Youngtis Royal. On est encore en attaque. Non, mais vas-y, mais. Là, c'est le Jackal, là. Bon, après, avec le Baus, on s'en fout. D'ailleurs, l'utilisation des drones quand on est mort, ça en est où du coup? Je sais pas, Kiki, sauvage. Je ne bosse pas chez Ubisoft, j'en ai rien. Aucune idée. Vendredi, 15h, Youngtis Royal. Voilà. STP gang, j'ai mis 5K. Et n'oubliez pas, point d'exclamation charm. Alright. Voilà quoi. Il y a un petit coefficient multiplicateur, bien évidemment. Pour ceux qui avaient le charme de la Salty Academy hier pendant le Youngtis Royal. Ah, c'est normal. Ah, les autres qui sortaient leur skin G2 là. Faut pas déconner, non. Ils le savent pas, faut pas leur dire. Leur dites pas surtout, hein. Clippez pas, mais. Ah, ouais, forcément. Eh ben, ça fait plaisir de jouer deux fois la même map. Yay. Merci infiniment, Love One, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Bienvenue à toi sur le campus, poulet, un monstre. Je joue frein de bouche sur toutes mes armes, comme ça c'est réglé. Ah ouais, carrément. Putain, je joue frein de bouche sur aucune arme. Non mais Clubhouse elle est bien hein. C'est juste que... We need to locate a bomb. Voilà quoi. J'aimerais changer quand même de temps en temps. C'est cool. C'est quand même cool non? De cambiare. C'est mort. Hi guys. Bonjour. How you doing? Drone has located a bomb. I'm good. Which is good. If everybody is good, it's good. 10 seconds to insertion. 5 seconds to insertion. Ah, c'est vrai qu'il faut, il faut qu'on fasse. Vas-y, c'est bon. Vas-y, j'arrête de you parler. Found a bomb. Make your way to its location and defuse. C'est terminé. Hop hop. Oh, on n'a pas de hard bridge. Ah si. Did you kill the guy here? Okay. Nice. Drone activated. Drone activated. Oh la la. There is one here, you can kill him at the window or glass. It's a free kill on the right side of the window. Allez, on va le tuer dans 3, 2, 1, 0. They have a cavity in stock. Just moving to garage. Nice call. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Ils ont l'air de puer du zboob encore. Oh là là, le headshot. Franchement, sur la prochaine saison, vous savez ce qu'on va faire? On va faire que des Youngtis Royal, des R6 Royal. On a un autre truc de prévu de toute façon. On va faire gagner du cash price et tout. On partira plus en ranked, en non-ranked et tout. Que dalle. On fera que de la custom game. Avec que des concepts d'enculés. Voilà, désolé. Avec que des concepts de...
Et voilà, et après, là, on sera bien. C'est quand la prochaine saison? Je sais pas. Non, mais sérieusement, sérieusement, il y a un moment, faut arrêter de se plaindre, en fait. Hein. Le jeu est désastreux, on le sait. Bon, bah, il y a un moment, faut prendre les devants, et voilà, quoi. Mais j'irai voir les créateurs de contenu, là. On fera un truc avec Bikini Body, avec Pegu. Ah! Désolé, c'est quand je baille, parfois, en fait, c'est très... Je sais, ça peut un peu impressionner. C'est une maladie, en fait. Hein. C'est vraiment quand j'ai besoin d'eau. Mon cerveau me demande de... Ouais, je baillais, ouais. Ouais, ouais. Une fois, j'ai fait ça à l'enterrement de ma grand-mère. Putain, je sais. C'est pas bien passé. Captain. Elle est remorte, en fait. Parce que t'es pas cool en fait. Elle avait pas besoin de ça quelque part. 10 seconds. Where are they? Basement? Yeah. You must locate and defuse a bomb. Oh, tout. Il tire sur la porte, j'ai trop peur. Allez, nomade. Window. Voilà. Là, tu l'as mis. Ah, t'as un monstre. C'est bien, c'est bien. T'es un professionnel, mon gars. T'es un professionnel. Let's go. Hop là, je drop. Hop là. Can you drone? Bon, on se fait le drone toujours. Il y a un capcan à gauche. Ils sont nuls. Ah, parce que là, si tu m'as mis des buts à gauche, il y a de grandes chances que t'en aies mis 1, 2, 3 là-bas, 4. Et donc, du coup, il t'en reste plus. Et donc, du coup, c'est fini pour toi en fait, mon leçon. Ah, ouais, c'est ça le problème. Toutes mes décales puent du zboob, hein, c'est horrible. Hein. There is a mute here. You killed the Valkyrie? Let's go, let's sprint. Et je suis derrière le mur. Je suis déjà sur une autre map. Map! Non, mais franchement, ça c'était sûr! J'ai envie de trouver un truc. J'ai pas la rime. Vous voulez que je vous apporte une Contrex au citron? Oui, mais s'il te plaît, Pohang. Ce serait très sympathique de ta part. Là, mon cerveau est en train de partir en couille. Voilà, j'ai reçu un message. Renshiro. Op 4 eliminated. Vas-y, réponds. Vas-y, Renshi, les gens, ils veulent entendre ta voix, en fait. On est en live. Et comment c'est possible que tu choses du 46, mec? Tu fais 2 mètres. C'est pas possible, tu dois tomber, du coup. Je déteste les gens qui font des messages vocaux. Ah, il a vu le truc. Fais-nous entendre ta voix sexy. Il a vu le truc, il s'est barré. Il en a rien à branler. Hein. Ça, c'est ouf. Hein. Ils sont fous. Tu veux un sucre? Ouais, faut que je prenne du sucre. Non, MDR, vas-y. STP. Un petit record. Non MDR. Mais il a même pas mis nom quoi. Abréviation. NN. Il a voulu retaper un truc, c'est fini. Putain, mais. Franchement, si je vous montrais les messages, en 3 ans, il m'a dit non MDR. 46. MDR. TKT. THX. Merci.
Bonnes vacances. Enemy located. Be advised, your drone has located a bomb. Insertion in 5 seconds. Voilà, bon là c'est là, là il était rentré dans les détails, voilà. You have located a bomb. Tu le connais pas, MDR, il en a rien à foutre. Yes, TKT. Dommage que tu viennes pas pour une histoire de merde. Ça, on sait ce que c'est. Merci. Quand j'aurai gagné le 6, point d'interrogation. Merci, bonne année, bonne santé. THX, NN, désolé, merci. Non, tu verras comme tout le monde, MDR. Yes, K, je regarderai. C'est quoi, le Yungtis Royal? Yes. Voilà. Et ça, c'est 4 ans de conversation avec Renshiro. Swapping mags. Garage clear. C'est ouf, quand même. Oh, sorry. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai ça? One cash. C'est allô, le truc ou quoi? Where are they? Their kitchen? I'm in their basement again. On a gagné? Ah ouais. Vas-y, bon, on va vouloir les mecs. Ouais, il doit avoir tout fait. Du moment. Ah, oh, c'est ouvert. Ah non. Ici. Ensuite ici. Et ensuite un free kill tout droit. Ah merde. What? Hop là, lui il va décaler à droite. Va danser la samba, repasser devant moi. Non mais ils sont où là? Merde, je me fais mal. Where is he? He's in the church on the right side. I mean in the. Yeah, he's back in church. I'm bomb chassis. On voit rien ici. C'est le pire bomb site de l'histoire des bomb sites. Cette table a fait perdre des centaines de milliers d'euros à des joueurs. Vraiment, tu décales, tu... C'est assez ouf quand même. Tu décales, tu tires dans des bouteilles de whisky, mon gars, tu défonces des meubles. Tu vois rien, tu ne vois rien du tout. Quelle est la map où tu penses qu'il y a encore de choses à découvrir? Par exemple, des strats, etc. Toutes 100%. Il n'y aura jamais une seule map où tu te diras on a tout découvert. Jamais. Il peut toujours y avoir une petite méca, un truc, un machin, un bidule. Un nouvel opérateur va faire en sorte que tu vas dire je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Non, c'est pas possible. Il y a toujours un truc à découvrir. C'est un bug, moi aussi je les surfuse. Lequel? C'était quoi le bug? Fuse et bug avec n'importe quel équipement, il y a ce viseur et pas de skin. Ah ouais, parce que je me disais mec, c'est mon main con, tu vois. Parce qu'il y a une mira. Oh non. C'est comme les échecs, toutes les parties seront jamais jouées. Ouais, après ça c'est différent. C'est quand même différent. Il est en train de te donner le drone pour sa survie. 10 seconds remaining. Game sense, mon gars, game sense, je savais qu'il allait faire le tour en fait. Il faut vraiment que je prenne de l'eau. Je suis en train de devenir taré, je pense. Ah, let's go. L'ace sur ce round. Partez les autres. Ok, I love you. Oula.
What? Mais ils sont déjà passés. Je passe. I'm passing. He's in stock. She's bottom garage, but she hasn't moved in yet. Fait que de la merde, désolé. She might be going back for red. Op 4, last operator standing. One friendly operator remaining. CC, CC window. All friendlies were eliminated. Mission failure. Ok. C'est nul. Maverick qui ouvre après une minute. Zofia qui push et qui fait je sais pas ce qu'elle nous fait. On va laisser tomber. Alors on le sait, c'est pas le top du top. Mais au moins l'auto est en train de donner l'école. Il fait des belles choses. Alright. Et t'as vu mais pas toi. Ouais bah ouais grave, il me voit mon épaule en fait. Les perspectives. Merci infiniment, Millie, pour les 2 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres, vraiment. Merci beaucoup. Sincèrement. N'oubliez pas de faire, pour l'exclamation, YT, s'il vous plaît. Et YT replay pour regarder les VOD. D'ailleurs, il y aura la VOD qui va être upload du Youngtis Royal d'hier, du premier play day. Donc voilà. Vas-y, 3-2, 3-1, on gagne. Ok, très bien. C'est devenu dégueulasse, Yeager. Non, ça se passe. Ça rend. Ouais. J'aime pas cet ADS très très lent là. Ça vraiment. Oh mais y'a déjà un wall. Stick clear of ADS line of fire. Can you watch that? I'm gonna place my militia. Vas-y Sophia, passe. Je ne suis pas sérieux, je suis désolé. A bomb has been located by Op 4. You have been spotted by hostiles. Fall back. Op 4, last op. Where is he? He was outside balcony. I killed like Zofia and Maverick. Right? Swapping mags! Gonna get a heal? Magnet activated.
Douteux, il sait quoi? Il est où là? Il tire d'où? À droite du garage? Putain, j'arrive pas à le localiser. Il est garage. Il a trop du mal, le pauvre. Il va bouffer stock. Ou pas? Stock. Ah bah non, il peut. Viens, viens, viens. Hop là, non je déconne. C'est vraiment un niveau exceptionnel. Heureusement les mecs avec moi sont les monstres, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est ça le truc. Anyway, ils sont vraiment à la même porte à deux. Non, je pense qu'ils essayaient juste de pique le dernier parce que c'était pas le niveau en face, c'était pas ouf. Quoi. Ils leur mettent 4-2. 4-1, 4-1. C'est un légendaire, le skin du pistolet. C'était quoi mon skin de pistolet? Je sais pas. C'est quoi? Un glacier, non? Peut-être? Ouais, c'est peut-être un glacier. Je crois que j'ai beaucoup de glaciers pour le coup. Si c'est glacier, c'est peut-être légendaire. J'en ai aucune idée au final. Vraiment, s'il y a bien un truc sur lequel je suis absolument pas OP, c'est bien les skins. J'en ai aucune idée. Bon, vous êtes chaud pour vendredi du coup? Non, c'est un épique. Ok, violet. J'ai hâte en tout cas qu'on y soit. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte qu'on organise ce genre de truc un peu plus souvent aussi. Bon, après, de toute façon, il y aura la suivi de l'équipe. Voilà quoi. Il y aura les suivis de l'équipe, ça pourrait être sympa. Voir un petit peu comment ça se passe, le coaching de l'équipe, la mise en place et tout, si ça marche. Hein. C'était le Pro League Jaeger. Ah ok, sur le pistol? Non, c'était sur son arme principale, c'était le Pro League, c'était en année 1 ça je crois. Hâte de rejouer vendredi perso. Ouais non, franchement c'était cool. C'était cool. On organisera plus souvent des trucs comme ça parce que bon, vu... Unfortunately... Malheureusement, vu l'état du jeu, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, quoi. Si on veut vraiment faire des trucs sexy, il va falloir faire ce genre de trucs-là, quoi. Il va falloir sortir des events, ce genre de choses. Voilà. Les Anglais, ils utilisent beaucoup le mot chassis, chassis. Mais qu'est-ce que ça signifie? Aucune idée. Oupsie. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier on a fait extrêmement plaisir à quelqu'un et ça me faisait plaisir de faire plaisir. Qui m'a répondu d'ailleurs. Une petite streameuse. Voilà. Donc aujourd'hui ce sera un petit streamer. Alright, qu'on va aller voir en sortie scolaire. À chaque fin de live, maintenant, la communauté du campus de la Salty Academy va aller. Va aller rendre heureux quelqu'un. Hein, ok. Quand il rework les cartes, c'est pour s'adapter aux nouveaux agents. Ou pour donner un second souffle à des maps déjà vues en long, en large et en travers. Non, c'est juste qu'elles ne sont pas compétitives, il manque des trucs. Et du coup, elles nécessitent d'être changées pour devenir plus sexy, quoi. Et plus compétitives. On va faire ça comme ça. Merci Bloc. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Alors demain, il y a de grandes chances que le campus de la SA soit exceptionnellement fermé en ce jeudi. Après, il y aura vendredi, donc du coup, Youngtis Royal. Et il y a des chances que les portes du campus soient ouvertes samedi et dimanche pour compenser l'absence de demain. Alors, c'est pas tout à fait sûr. Je tiendrai informé sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. Ce sera le plus simple. Ce sera le plus simple de faire comme ça. Alright. Bon, maintenant, let's go, guys. Let's go. On passe dans le bureau. Alright.
Alright, alright, alright. Du coup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va couper ceci derrière moi. On va aller chercher quelqu'un à host, tout simplement. Voilà, et à Red et à host. Voilà, sur ce, je vais envoyer la musique qui annonce le fin de ce live right now, ok? C'est ça, derrière. Ok? On va aller, du coup, faire cette sortie scolaire. En allant voir quelqu'un. En allant voir un streamer. Aujourd'hui, c'était un streamer. Hier, c'était une streameuse. Ok, parcourir. En attendant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'hésitez pas à vous tenir informé sur Twitter pour savoir si les portes du campus sont ouvertes demain. Merci à vous d'avoir été aussi présents et aussi généreux aujourd'hui. Vous êtes des monstres, une fois de plus. J'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Donateurs, cheerers, hosts, membres du Salty Fan Club, nouveaux et anciens étudiants du campus de la Salty Academy, bref, toutes les personnes qui font que la Salty ira to the fucking top. Et d'ici à peut-être demain, mais très certainement, en tout cas, ça c'est sûr, vendredi. D'ici à vendredi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous le demande, je vous le rappelle. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que certes, on est salty. Oui, mais pas que.